Ok, mets le lien. Mathieu, tu mets le lien dans le groupe, tu copies le lien sur la page principale et tu mets ça dans le groupe Telegram, s'il te plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Camille Makosso. Nous commençons maintenant le direct sur la page Facebook et nous sommes aussi sur Instagram et sur TikTok. Ce soir était rendez-vous très dangereux. Ce soir était rendez-vous des lions. Ce soir était rendez-vous des personnalités, des personnes qui veulent marquer leur génération en 2022. C'est le rendez-vous des futurs milliardaires, c'est le rendez-vous de ceux qui disent « Je refuse d'être la honte de ma famille en 2022 parce que je veux marquer mon temps et ma génération. » D'abord, j'aimerais dire aux femmes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une femme m'a appelé tout à l'heure, m'a posé la question, m'a dit « Mon général, comment faire pour réussir ?» Je lui ai posé la question de savoir parmi tous les hommes qui la draguent, c'est lequel qui a le plus d'argent. Elle m'a dit « Un député. » Il dit « Abandonne tous les autres et reste avec ce député. » Bienvenue au direct extrêmement dangereux. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Je comprends pas le cœur. Où sont les élus de 2022? Où sont les élus de 2022? Je vois pas les cœurs. Vous êtes en train de me décourager. J'ai envie de parler, mais je vois pas les cœurs. J'ai envie de framponner, mais je vois pas les cœurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi je ne vois pas assez de cœurs? Pourquoi je ne vois pas les partages? Nous sommes aujourd'hui à un jour très dangereux. Le lion veut parler. Pardon, tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. À l'arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le général Camille Makosso veut parler. Je précise, le général Camille Makosso veut parler. Donnez-moi mes partages. Donnez-moi mes partages, je veux parler. Je répète, donnez-moi mes partages, mettez les cœurs. Makosso va parler. Aujourd'hui, c'est un jour dangereux. Parce que ce qui va sortir de ma bouche n'est pas bon. J'ai vu un gars qui a fait une vidéo là, Mathieu. Il y a un gars qui a fait une vidéo là. Il dit, oh non, pourquoi Madame le ministre n'a pas fait arrêter Makosso. Mes amis, passez à autre chose. Les bêtises de 2021, là, laissez ça. On est en 2022. Écrivez-vous tous. 2022, l'argent ou rien. Écrivez. Écrivez-vous tous. 2022, l'argent ou rien. On dit, Makosso, pourquoi tu aimes qui est? Vous avez découvert, vous allez comprendre aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je regarde et je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. À 3000 personnes connectées, le général commence à parler. Sibouré, Niebe, que Dieu te bénisse. Écrivez-vous tous l'argent ou rien. Écrivez-vous tous l'argent ou rien. Je veux voir les cœurs. Je veux voir le partage. Donnez-moi le cœur. Donnez-moi le partage. Je vais donner des secrets. Non. Non, je ne vois pas le partage. Je ne vois pas le partage. J'ai l'impression que 2022, là, il y a des Judas. J'ai l'impression que 2022, là, il y a des traites. Les amis, mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. Je ne vois pas assez de cœur. Mettez-moi le cœur. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Tous les groupes qui vont s'afficher là, chacun clique partager. Mettez ici les partages. Je réponds, mettez ici les cœurs. Là, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Que chacun clique, on met dans 12 groupes. Et tous ceux qui vont partager dans 12 groupes. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre vous accorde le succès, l'élévation et la gloire. Peu importe dans quoi vous êtes. Que cette année 2022 ne reste
ressemble pas à 2021. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien et attentivement. Si 2021 ne vous a pas tué, 2022 ne pourra rien vous faire. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Mathieu, si je ne vois pas les 5000 partages, que le quitus n'est pas atteint, je ne vous donne rien comme secret. 2022, c'est l'argent ou rien. Partagez la vidéo. Vous qui êtes sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes sur Instagram, que Dieu vous bénisse. Écrivez 2022, l'argent ou rien. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler, mais je ne vois pas les partages. Et je ne vois pas les cœurs. Je reviens sur Facebook. Les 1000 personnes qui vont partager la vidéo dans 12 groupes. Que le ciel s'ouvre sur vos vies. Où que vous soyez. Quoi que vous fassiez. Que l'Éternel vous élève. Que vos ennemis soient dans la confusion et dans la honte. Que vos adversaires soient ridiculisés par votre réussite en 2022. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs ici. Cliquez ici, partagez. À droite ici, là. Partagez dans le groupe. Voici les groupes. Chacun partage dans seulement 12 groupes. Chacun partage dans 12 groupes. Et tous ceux qui partagent, que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel bénisse votre année. Que cette année soit pour vous une année de règne. Une année de domination. Une année de victoire. Je répète, 2022, l'argent ou rien. Donnez-moi les partages. Mathieu, vérifie, on est à combien de partages? Vérifie, on est à combien de partages? Combien? Nous sommes à 1800 partages. On n'a même pas encore atteint la moitié des 5000 partages. Les gars, évitez ça en 2022. En 2022, vous êtes le commandant du général. On ne fait pas un direct parce qu'on a envie de faire un direct. Je veux voir les partages. Nous sommes en 2022. Donnez-moi les partages. Je veux voir les partages. J'exige les partages. Je commande les partages. Je vois les 3000, les 5000 partages, je commence. Je vois les 5000 partages, je commence. Je vois les 5000 partages, je commence. Sinon, je vais couper le direct. Sinon, je vais couper le direct. Mes amis, vous qui êtes sur Instagram, allez sur ma page Facebook maintenant. Vous qui êtes sur Instagram, c'est à vous que je m'adresse. Allez sur ma page Facebook maintenant. Makoso Camille, je vais vous donner le code de la marmaille pour prendre le contrôle de 2022. Allez sur ma page Facebook. Mes amis de TikTok, venez à moi. J'ai à vous parler. Vous voyez, la vie est à choix. Parmi vous ici, il y a des milliardaires. Allez sur ma page Facebook. Allez sur ma page Facebook. J'ai des choses à dire aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier dimanche de l'année 2022. J'ai envie de bénir quelqu'un. Allez sur ma page Facebook. Maintenant. Maintenant. Oh, mes amis. Mathieu, on a combien? Oh, il y a tout mon temps. Je ne vais pas me fatiguer. Il y a tout mon temps. Je veux voir les 5000 partages et je commence à parler. Sinon, moi, je vous dis au revoir. Voilà. 2022, je ne perds pas le temps. 2022, on ne perd pas le temps. Où sont les partages? Où sont les partages? Non, il ne faut pas dire le général parle. Vous ne mettez même pas les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je vous le demande. Parce que l'heure est grave. Et l'heure est très grave. Partagez-moi la vidéo là. Partagez-la moi. Mathieu, on est à combien? Tous ceux qui mettent les têtes de mort. Que votre année 2022 soit une année maudite. Que tout ce que vous allez entreprendre en 2022, la mort localise vos affaires. La mort localise vos projets. Mais tous ceux qui vont mettre les cœurs, que l'Éternel vous élève. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Macron soit en 2022. Je vais devenir sage. Je serai plus dangereux en matière de paroles, en matière de secrets, en matière de révélations. Parce que 2022, c'est l'année de l'argent. Et comme Macron est l'argentier des réseaux sociaux, parce que parmi les pasteurs, mes frères, faites-moi confiance, c'est comme les docteurs. Nous tous, eux tous, on les appelle docteurs, mais il y a des pédiatres. C'est un docteur. Le vétérinaire est appelé docteur. Qu'est-ce que vous voulez? Le dentiste est appelé docteur, mais ils n'ont pas la même spécialité. C'est pareil que dans l'œuvre de Dieu. C'est pareil dans le ministère. Tout le monde ne peut pas se rassembler. Makoso ne sera jamais Ivan Castanoun. Il y a Ivan Castanoun, il y a Camille Makoso. Parmi les pasteurs, il y a ceux qui sont bien dans les déclarations prophétiques. Père, que Dieu les bénisse.
Il y a ceux qui sont forts dans la démonologie. Que Dieu les bénisse. Mais il y a un. Quand on dit c'est gratté, viens nous expliquer la marmaille pour avoir l'argent. C'est Marcos où on appelle. Ah, qu'on n'aime pas à demander. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je veux voir les 3000 personnes connectées avant de parler. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et voici la liste de groupes. Voici la liste de groupes. Chacun partage dans seulement 12 groupes. 12 groupes. 12 groupes. Tu partages jusqu'à ce qu'on te dise, tu ne peux plus partager. Là, le général maintenant peut faire le son de parler. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a trop de personnes qui passent sur TikTok. Chacun s'élève, ils donnent des secrets pour devenir riche. Chacun donne des conseils. Mais eux-mêmes, quand ils regardent leur vie ne reflète même pas les conseils ni les messages qu'ils donnent. Faut prêcher ce que tu vis. Oh. Petit. Petit. Tu continues le travail. Avant la fin de ce message, tu as fini d'enregistrer. Parce qu'à partir de demain, c'est le premier lundi de 2022. Je prophétise déjà sur la vie de quelqu'un qui partage cette vidéo. La semaine qui s'annonce, l'Éternel va accomplir un premier témoignage dans ta vie. Dis-moi amen, s'il te plaît. Je dis, la semaine qui commence, l'Éternel va accomplir un premier témoignage dans ta vie afin que tes adversaires sachent que 2022, là, c'est pour toi. Écris, s'il te plaît, 2022, l'argent ou rien. Faut pas écrire. Faut pas rester à t'amuser. Écrivez, s'il vous plaît, 2022. Hey! 2022. Si tu savais combien de fois je t'attendais au 2022. Si tu savais combien de fois je t'attendais au 2022. Maintenant, toi et moi, on est là maintenant. 2022, écoute-moi bien. 2022, faut bien m'écouter. L'argent ou rien. Mes amis, je vais vous donner un conseil. En 2022, il y a des erreurs à ne pas commettre. Je vais vous révéler ça tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mathieu, nous sommes à combien de personnes connectées? Nous sommes à 3500 pecs, 3500 partages. Je n'ai pas encore vu les 5000 partages. Je suis clair et je suis honnête et je suis vrai. Je ne parle pas pour parler. Frère, je ne suis pas dans genre vouloir être un homme bien. Non, je ne suis pas un homme bien. Le seul homme bon s'appelle Jésus. Ils l'ont tué malgré sa bonté. Le gars, il est bien. Il n'a commis aucun péché. Il a multiplié le pain, les gens ont mangé. On a mis Jésus, on a mis un analphabète, tueur, assassin. On dit entre Jésus et Barabbas, le peuple, voici l'homme qui a fait les miracles, qui vous a nourri. Et voici l'homme qui viole vos enfants. Vous choisissez qui? Les humains ont choisi le violeur, le tueur. Donc à partir du moment où des gens ne m'aiment pas, fais-moi confiance, je préfère continuer dans mon game pour ne pas qu'il m'aime. Parce que ceux qui te détestent en vérité, sont des admirateurs frustrés. Ils t'aiment, mais ils ne savent pas souvent comment t'exprimer leur amour. Donc, et du fait que tu les ignores, ils sont obligés de te détester. Pour que par leur haine, tu prêtes attention à eux et qu'ils puissent te dire après, sinon que moi-même je t'aime bien. C'est toujours comme ça. La plupart des femmes qui t'insultent dans le quartier là, elles sont au fond de toi. Parce qu'une femme qui n'est pas amoureuse de toi, elle t'ignore. Et le gars qui est tout dans les quartiers qui s'insure, oh pute là, salope là, Janjou là, en vérité, il est fond de toi. Mais comme il sait que même en rêve, il ne peut pas enlever ton caleçon, il est obligé de te blesser pour attirer ton attention. C'est la loi de ce qu'on appelle la loi des aigris. Mais ce soir, j'ai envie de parler. Ma bouche veut parler aux personnes qui veulent réussir. Ce soir, ils ne sont pas dans game ni buzz. C'est fini en 2022. Voilà. Ceux qui veulent ça, pardonner, aller chez Lolo Beauté. Moi, il n'y a plus besoin de ça. Parce que 2022, là, c'est ça on veut. L'argent. Et pour avoir l'argent, il faut écouter un homme qui a réussi. Un homme qui a un passé. Camille Makosso, c'est deux fois la prison. Camille Makosso, c'est l'homme au scandale. Camille Makosso, c'est l'homme que toute une nation insulte. Et trois jours plus tard, la même nation l'acclame. Un homme qui a une telle expérience, je ne me lance pas des fleurs. Il faut l'écouter. Écris mon général, je vais t'écouter. Non, je n'ai pas entendu. Écrivez mon général, je vais t'écouter. Écrivez mon général, je vais t'écouter. Écrivez encore mon général, je vais t'écouter. Nous sommes en 2022, ma chérie. Fais-moi confiance, mon frère. Ton orgueil là où tu bavades là, on sort de 2021. Bilan,
bilan, bilan. Il n'y a qu'un abruti qui rentre en 2022 qui ne commence pas à faire le bilan de 2021. Et comme les noirs sont les plus bêtes de la terre, sont les plus idiots de la terre, ils passeront leur vie dans la bêteté notoire à toujours continuer les mêmes bêtises qui rapportent toujours les mêmes blocages et les mêmes problèmes. Lorsque vous constatez que 2021 n'a pas été votre année, 2020 vous n'avez pas atteint vos objectifs, 2019 vous n'avez pas atteint vos objectifs, à un moment donné tu t'assois et tu dis bon, le chemin que j'emprunte, la stratégie que j'emprunte, la manière de faire, ça ne me coûte rien de changer. Le problème des Noirs, ils sont tellement bêtes, en plus orgueilleux, que s'asseoir pour dire j'ai échoué, je préfère écouter un homme que je vais prendre comme mon mentor, comme mon chef, comme mon maître, dans le but d'apprendre ces secrets-là. Ils ne sont pas prêts. Ils préfèrent tuer la personne pour se conforter dans leur position d'échec. Parce que pour eux, se mettre à la disposition de quelqu'un, écouter quelqu'un, se mettre au service de quelqu'un, c'est pour eux un rabais. Oh, personne ne te connaît. Tu n'es en compétition avec personne. Une dame m'a appelé aujourd'hui et elle m'a dit, mon général, je suis une femme malienne, j'ai deux enfants avec mon mari et cet homme est musulman, moi je suis chrétienne. Une fois que je vais voiler certaines parties de sa vie pour ne pas qu'on puisse la reconnaître. Et aujourd'hui, cette femme constate que l'homme, toutes les années où ils étaient ensemble, il a menti. Il est allé faire enfant dehors. Il lui manque de respect. Il insulte la femme. Il humilie la femme. Mais la femme l'a dit. Pour ne pas perdre ses enfants, elle est obligée d'être avec le monsieur. Mais je ne comprends pas pourquoi les femmes sont sorcières. Je ne comprends pas pourquoi les femmes elles-mêmes se mettent dans la sorcellerie. Tu es avec un homme qui te ment. Ma chérie, tu pars. Mais, et les enfants? Tu lui laisses les enfants. Il ne va pas les manger. Il ne va pas les tuer. Enfant, ne fuit pas. Enfant va tourner jusqu'à il va revenir vers sa maman. Toi, tu as fait pas. Tu as resté dans la misère. Tu acceptes mourir à cause de tes enfants. Mais tu es une sorcière. Mais tu es mis. Mais il n'y a pas de femme plus bête que ces femmes-là. Un homme, tu es marié avec lui. Va faire enfant dehors. Te manque de respect, ma chérie. Avant d'avoir 60 ans, fuis. Pas. Dégage. La Bible dit, on peut divorcer. Sauf en cas d'adultère. Ton mari t'a trompé. Prends tes clics et tes clans. J'ai dit, il ne faut même pas partir. Il faut béou. Béou. Cherche-toi. Je vais t'expliquer pourquoi. L'homme qui est dans ta vie, qui refuse que tu entreprennes quelque chose, qui refuse que tu travailles, est un homme qui a un plan caché. Mathieu, j'ai l'impression que tu ne fais pas qui je parle. Mais mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en 2022. Hein? Les mêmes bêtises que vous commettez, on te prend, on enlève ton caleçon, on te baisse sur promesse-là, continue ça en 2022. Petite chienne. Et tu vois, mon général, il suit mon corps. Il faut ma cause pour vous parler. Dans mon câble d'iPhone, et dit, à mon câble d'iPhone, ça a pété dans ma tête tout à l'heure. Ceux-là, si elle ne parle pas comme ça, on doit rester dans les mêmes bêtises qu'on faut prier pour que mon mari change. Un maudit. On prie pour lui pourquoi? On répète. Un maudit, c'est un maudit. Tu as perdu ton temps, perdu ton énergie, perdu ta vie. Hey, car ici, là, c'est déchargé. Voilà votre affaire là, tu es là. Hein. Vous ne chargez pas les appareils là. Petit, mets ça moi, mets-moi ça en charge. Tiens, quand ça fait 10%, tu m'amènes ça rapidement. Voilà, fais ça rapidement. Partagez-moi la vidéo et jazz un peu. Partagez-moi la vidéo et jazz un peu. Aïe. On est là, on s'amuse dans quoi? Faut identifier ta camarade. Tu es dans une relation pendant combien d'années? Tu as espéré, tu as gêné, tu as prié, tu as gêné, tu as prié. Actuellement, tu es gêné. Ma chérie, pars. Moi-même, je te donne la permission. Pars. Partir est souvent mieux que rester et mourir. Je répète, partir est mieux que rester et mourir. Cet homme-là, en fait, il a toujours eu besoin d'une servante qui ne va jamais payer. Quand je reste, c'est à cause de mes enfants en 2022. En 2022. En 2022.
Chaque année, tu prends de l'âge. C'est lorsque tes seins ne seront plus en forme, tes fesses seront parties, ton teint sera gâté, que c'est là maintenant que tu as te dit, il a pris 15 ans de ma vie. Après, il m'a mis mes bagages dehors. Si Dieu pouvait me donner un mari pasteur, priez pour moi. C'est-à-dire, même Dieu même se respecte. Il n'y a plus de rondeur, tanti. Il n'y a plus de rondeur. Même si Dieu montre c'est un homme, il dit, voici ta femme, dit, Seigneur. Les petites filles de maintenant, 19 ans, elles te font des choses. 19 ans. Il dit, elles te lapent, jusqu'à lapent ton anus. Il dit, elles te lapent. C'est-à-dire, le gars va laisser une lapeuse pour aller prendre une vieille gawaze qui est restée dans le foyer, qui a été maltraitée par un homme. Qui vient traumatisme conjugal. D'abord, il va passer 3 ans avec elle. Est-ce que toi, tu n'es pas comme mon ancien mari là? Est-ce que toi, tu n'es pas comme mon ex là? Il va d'abord gérer ça. Oh, il y a une fraîcheur qui est là. Un produit frais. Sortant de Carrefour. Quand tu peux mettre, on appelle ça le paquet livré. Il va laisser ça. Pour aller pour une vieille. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des femmes sur Facebook qui ne peuvent plus se marier. Parce qu'on connaît leur passé. Ne prenez pas conscience. Restez là, donc Dieu va faire, Dieu va changer son cœur. Mon frère, tu es avec une femme qui passe son temps à te faire chier. Tu n'es pas heureux, elle te maltraite, toujours les bagarres. Assieds-toi avec elle, dit bébé, 2022 là, je vais avancer. Va à gauche, moi je vais à droite. 2022, janvier là, on appelle ça le mois de la séparation. Restez là, n'écoutez pas. Vous allez même vivre encore les mêmes cauchemars parce que tu n'as pas encore l'audace. Mais si je le quitte là, je vais vivre comment? Je vais faire comment? Avant qu'il te marie là, toi tu vivais comment? Tu n'as pas de famille? Non, mais je vais avoir honte. Donc entre la honte et la mort, tu choisis quoi? Entre la mort et la honte, je préfère avoir honte pendant 1 an. Commencer à vendre du bissa, du nyamankou, petit à petit. Et après, me repositionner. Parce que quand tu parles, tu as dans ton cœur une colère. L'envie de prouver à ton ex que toi, tu n'es pas né maudite. Mais quand tu restes, tu auras toujours le chagrin. Tu vas aller vivre dans l'adultère. Tu vas commencer à le tromper. Et là, tu es en train de te rebeller maintenant contre le Seigneur. Parti est mieux. 2022, là, prends ton téléphone. Aie le courage. Appelle le gars là pour dire, allô? Oui, ça va chérie? Oui. Vraiment? Je vais te parler. Tu as quoi à me dire là? Je pars. Toi, tu pars. On va voir comment tu vas vivre. Toi, une chienne comme ça, tu n'as rien, tes parents n'ont rien, tu es maudite. Tu penses que quand tu as mis ça, ça me fait mal, bébé. Je te donne rendez-vous en fin 2022. Tu sauras que je ne suis pas né pour échouer. Et je ne suis pas né pour être ton esclave. Quand mon père m'a mis au monde, tu n'étais pas présent. Chérie, je t'ai aimé, mais je préfère m'aimer plus que je t'aime. Je pars. Le gars là, il va te respecter jusqu'à la fin de ses jours. Mais tu vas rester avec le gars. Il enceinte l'ami de la petite. C'est-à-dire, souvent même, c'est ta confidente. Souvent, c'est ton ami qui l'enceinte. Et puis, tu es avec le gars. Ma chérie, c'est que toi, tu ne t'aimes pas. C'est que toi, tu ne te préfères pas. Je préfère commencer mon introduction par ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent réussir, mais qui sont tenues par des hommes qui vous maltraitent, qui abusent de vous, et en plus qui vous baisent comme des chiennes. Et vous êtes assis là. Vous acceptez. Dieu va faire. Ah bon? Dieu là, il faut l'attendre. Il a fini d'accomplir sa mission. Hein. Il est parti au ciel. Même pour venir nous chercher là, on dit Jésus n'a même plus descendu sur la terre. La Bible dit qu'il sera dans les airs, tellement qu'il n'est plus prêt à redescendre sur la terre. Il n'est plus prêt à tes sons. Tant qu'on dit Jésus, dit, je vous ai donné le pouvoir, j'ai tout accompli à la croix, débrouillez-vous. C'est ce mort là qui a Kengen qui est retourné au ciel, ils l'ont d'abat sur la terre. Lui il est rentré au ciel, à toi en train de jouer la bonne musique. Toi tu lui demandes de revenir changer le cœur de ton mari. Ah oh, bonne chance. Tanti. Suicide n'est pas loin.
C'est jamais tu vas boire comme ça en 2022 là. Parce que 2022 là, tu vas voir tes camarades réussir. Tu vas les voir avancer. Et toi, tu seras en arrière. Pourquoi? Parce que tu as refusé de te séparer. Même dans la Bible, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée pour diviser le père et la fille, la mère et le fils, la belle-fille et la belle-mère. Restez dans vos amusements bêtes-bêtes là. Non, ça va aller, mon mari là, il est comme ceci. J'ai dit, chérie, partez. Partez. Quittez ça. J'ai 4 enfants. Tu verras que le même Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème pas, qui ne moissonne pas, pourra jamais t'abandonner. Tu as commis cette erreur en 2021. Tu n'as même pas pu économiser ne serait-ce que 100 000 francs. 2022, tu es encore dans les mêmes erreurs. Je vais te parler tout à l'heure des erreurs que tu dois éviter en 2022. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, je vais accélérer. Mettez les cœurs, je vais accélérer. 2022, je serai très brutal. Je serai très sauvage. Parce que vous et moi, on a un contrat. Numéro 1, mon général, on ne veut plus te voir dans Palab. D'accord. Numéro 2, mon général, les bêtes là, on ne veut plus te voir dedans. D'accord. Numéro 3, mon général, on veut que tu t'intéresses qu'à nous. Nous tes fils spirituels qui sont dans le monde là. Nous tes élèves là. Pardon, on t'a fait confiance, faut t'intéresser à nous. Ok, le match a commencé. Le contrat est simple. Vous partagez, je révèle. Vous ne partagez pas ce que vous voulez que j'aille chercher Buzz. Hein. Parce que c'est Buzz là qui donne beaucoup de vues. C'est Buzz là qui donne beaucoup de partages. Vous dites, Marcos, il ne faut plus aller là-bas. En fait, les gardons pour nous seuls, il n'y a pas de problème. Mais partagez. Hein. Vous allez partager. Hein. Parce que moi aussi, je bats les records. Donc, vous allez partager. Hein. Adama, Mathieu, est-ce que les gars ils savent dans quoi ils sont mis même? C'est-à-dire, moi, il y a un autre champ où je mange un peu, on dit, Marcos, laisse ce champ-là. Faut te concentrer sur nous seulement. Maintenant, je suis à vous, et puis c'est les 2000 partages, les 3000 partages. Ok, maintenant, tout de suite, venez. Emma l'Ouest, c'est dans un buzz. Là-bas, c'est les 15 000 partages. Donc, faites le choix. En 1000 personnes qui partagent dans 10 groupes, ça fait 10 000. Donc, si vous voulez garder Marcos, montrez-moi bien par vos offrandes de partage. Que vous êtes prêts à me garder. Et là, ils vous donnent tous les secrets. Dans le cas contraire, mes amis, ma cause sera partagée en deux. Or, je veux vous appartenir. Mais donnez-moi les partages. Vous n'avez pas le choix. Et tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie d'entrer en profondeur. Et j'ai envie de montrer la dimension de ce que Dieu a mis en moi. En matière de révélation. Je ne suis pas de la race de ceux qui viendront vous dire, Dieu me révèle que l'année 2022, laissez ça, c'est des bandits. On a chaque fois dit, Dieu me parle, Dieu me dit, en 2022, voici ce qui va arriver, il y aura coup d'état, il y aura ceci. Les mêmes personnes après, ils viennent encore se contredire. 2022 là, il ne faut pas compter sur un prophète. Mathieu, j'ai envie de parler, hein. J'ai envie de parler de 2022 là. Faut pas compter sur un prophète. Toi-même là, deviens ton prophète. Combien de pasteurs t'ont imposé les mains? Tu as eu quoi? Rien. Combien de pasteurs tu as eu? Faut essayer maintenant. Le pasteur le plus sale, on dit c'est Makoso. Faut l'expérimenter. Un an. Et puis toi, on fait le bilan. Si ta mentalité n'a pas changé, ton caractère n'a pas changé, tes finances n'ont pas changé, c'est que Makoso Camille, je ne mérite pas d'être appelé le Daichi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo. Mathieu, montre la vidéo. On va vous montrer comment on partage une vidéo. Je vous donne une minute. Une seule minute. Les 1500 personnes qui vont partager dans 10 groupes, je prophétise dans vos vies qu'avant la fin de ce direct, un miracle financier arrivera dans votre vie. Parce que 2022, c'est l'argent ou rien. À tout à l'heure. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur « Partager ». Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée, vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager,
vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez... Permettez-moi s'il vous plaît de commencer. Est-ce que maintenant nous pouvons commencer? Je pose la question. Mathieu, est-ce que nous pouvons commencer? Je répète, est-ce que nous pouvons commencer? Écrivez mon général, on peut commencer. Qui veut réussir en 2022? Voici la question. Qui veut avoir l'argent en 2022? Voici la question. Qui veut se marier en 2022? Voici la question. Qui veut être propriétaire de ses maisons en 2022? Voici la question. Qui veut marquer sa génération en 2022? Voici la question qui est posée ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a 10 choses, il y a 10 erreurs, il y a 10 choses que vous devez refuser. J'ai dit bien refuser radicalement. Mathieu, repartage-moi la vidéo sur toutes les pages. Vous devez refuser radicalement en 2022. Dis-moi, général, révèle, je révèle. Dis-moi, général, révèle, je révèle. Nous ne sommes pas en 2021. 2021 est fini. À partir du 5, je vais vous révéler les 12 codes jour pour jour. Les 12 codes secrets jamais dit par un homme de Dieu. Pour régner en une année, pour avoir l'argent en une année, pour marquer sa génération en une année. Mais avant d'entrer dans ces 12 choses, il y a des choses si je ne te dis pas. Tu penseras que ta vie est un jeu. Votre vie n'est pas un jeu. Parce que le jour de votre mort, je le répète et je le dirai toujours, il y a 3 types de personnes qui vont se présenter le jour de votre funérailles. Le jour où toi tu vas mourir, il y a 3 types de personnes. Numéro 1, il y a ta famille. Pose-toi la question, si toi tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tes parents vont dire de toi? Ah, il est allé en Europe, mais il n'a jamais construit une maison. Bon, cette fille, elle était jolie, on a même dit qu'elle allait marier un blanc, mais finalement, c'est un imbécile dans le quartier qui l'a enceinté. Mais qu'est-ce qu'on retient de toi? Numéro 2, il y a tes amis. Tes amis qui t'ont connu, qui vont prendre la parole. Et numéro 3, il y a tes collègues de service, ceux qui ont travaillé avec toi. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi si 2022 serait ta dernière année? Il y a des choses que vous devez refuser en 2022. À partir du moment où vous savez consciemment que 2022 est une année d'argent. À partir du moment où tu sais, où tu as la révélation que 2022, c'est l'année de l'argent, il y a des erreurs, il y a des choses que toi, tu dois refuser si tu veux marquer ton temps. Si tu ne refuses pas ces choses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne verrez rien de votre vie. La première des choses qu'il faut refuser, ce sont les miettes. Pendant que je prie, Seigneur, quiconque mettra sa main sur sa poitrine, je te demande de lui donner la rage de vaincre en 2022. Je te demande de lui donner la sainte colère de marquer son temps en 2022. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Écoutez-moi très bien. En 2022, ne soyez pas dans la logique. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu donne, je prends. C'est faux. Parce que mon frère, si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, pourquoi tu l'acceptes? En 2022, année de l'argent, année où Dieu va marquer les finances, toi, tu es encore dans ton salaire de 1200 euros. Toi, tu es encore dans ton petit salaire de 100 000 francs CFA. Même si tu es élève, en 2022, tu peux lancer une affaire et marquer ta génération. Ma fille n'a que 17 ans. Sans que je ne finance son projet, elle est chef d'entreprise. Ma fille est chef d'entreprise. Elle a créé sa marque et elle fait des ventes en ligne. Je n'ai jamais été informé. Elle m'a fait une surprise. Toi, si en 2022, tu te contentes des miettes en pensant que c'est ça qu'on appelle de l'humilité, tu es un malade mental. Dieu lui-même doit arracher ta vie parce que tu es inutile sur la terre. Première chose à refuser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont les miettes. Deuxième chose que tu dois éviter, que tu dois refuser, que tu dois même pas entrer dedans en 2022, ne compte sur personne. Ça, je te l'ai dit. Tu as compté sur des gens en 2021. Tu as compté sur des hommes.
J'ai mon tonton là, il peut m'aider. J'ai mon oncle là, il peut m'aider. Je connais quelqu'un. Mon gars, où sont-ils aujourd'hui? Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Eux tous sont abandonnés. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Eux tous sont fuis. En 2022, je te donne un conseil. Refuse de compter sur quelqu'un. Refuse de placer ta confiance en quelqu'un. Refuse d'attendre le soutien de quelqu'un. Car la Bible est claire. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. En 2022, personne ne viendra t'aider. Pourquoi? La même tête qu'ils ont, tu as la même tête. Le même cœur, tu as le même cœur. La même force, tu as la même force. Mon frère, si Didier Drogba est milliardaire, c'est que toi aussi tu peux être milliardaire. Vous êtes tous nés nus. Personne n'est venu au monde avec une cuillère en or dans sa bouche. Personne n'est venu au monde avec ses milliards. Nous venons tous de la pauvreté. Mais c'est ceux qui décident de se lever, qui marquent les générations. Ne compte sur personne. C'est ton rêve qui va attirer les investisseurs. C'est ton rêve qui va attirer des partenaires. C'est ton rêve qui va attirer les personnes qui te plongeront dans une autre dimension. Mais si tu passes ta vie, non, je... J'ai mon chéri là, il m'a promis quelque chose. J'ai mon gars là qui m'a dit que... J'ai ma tante là qui m'a dit qu'elle va me faire voyager. Ma maman est en France, elle m'a dit qu'elle va me faire voyager. Donc toi tu ne fais rien, tu es assis là, tu as... Ça fait combien d'années tu attends ça? Ça fait combien d'années les promesses qui t'ont été faites ne s'accomplissent pas? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne compte sur la promesse de personne. Toi-même désormais tu es une promesse. Toi-même tu es une révélation. C'est sur toi les gens doivent compter. Toi ne compte sur... Personne ne compte sur personne, ne compte sur personne. Oh, tu m'as pas encore dit général Revel. Non, tu m'as pas dit Revel. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en 2021, nous sommes en 2022. Changement de comportement, changement de mentalité, changement de stratégie. Nous ne sommes pas dans une année de combat spirituel. Nous ne sommes pas dans une année de renouveau. Nous sommes dans une année de finances. L'argent des principes, l'argent des règles, n'a pas l'argent qu'il veut, mais a l'argent qu'il peut. C'est la stratégie, c'est une attitude, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny disait, la paix n'est pas un vain mot, mais est un comportement. Camille Macoso dit, réussir n'est pas un vain mot, c'est une stratégie. Refuse, refuse de compter sur quelqu'un. Parce que compter sur quelqu'un, c'est dire que toi, tu ne vaux rien. Que toi, tu ne peux pas. Que toi, tu es limité. C'est te rabaisser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne compte sur personne. Parce que personne n'a la capacité de te faire. Toi seul, tu peux te faire à partir de ton rêve. Si quelqu'un écrit mon général Revel, je vais en profondeur. Si quelqu'un partage cette vidéo, tu es béni. La troisième des choses que tu dois refuser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va peut-être te choquer, mais je vais te blesser. Refuse de t'attendre à un miracle. Refuse de t'attendre à un miracle. Ça fait combien d'années que tu attends le miracle? Oh Seigneur, amène-moi un mari. Vio, 2020, Vio, 2021, Vio, en 2022. Si le miracle ne vient pas, si le miracle ne vient pas vers toi, si le miracle a des péchés, que le miracle ne vient pas vers toi, en 2022, toi-même tu vas aller vers le miracle, tu vas attraper le miracle, tu vas habiller le miracle et tu vas avancer. En 2022, ne reste pas assis comme un abruti, un idiot de toi, et tu es assis là. J'attends que l'Éternel opère mon miracle, j'attends que la gloire, la Bible déclare. Vous êtes des dieux. La Bible déclare, le prix est payé. La Bible déclare, le monde appartient aux violents. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Plus tu attends, plus tu es un lâche. Parce que nous sommes dans un monde où Ésaïe chapitre 60, le verset 1 dit, lève-toi et brille. Tant que tu resteras assis, attends que Dieu opère le miracle, l'Éternel prendra le soin de te regarder comme étant un échec vivant. Un enfant s'assoit, un fils va à la chasse. Un enfant reste à la maison, un fils part à la chasse. En 2022, maintenant, seront riches ceux qui ont la mentalité, le caractère et la philosophie des chasseurs. Tu n'es pas un chasseur? Tu dégages. En 2022, soit tu chasses, soit tu es chassé. En 2022, soit
soit c'est toi qui chasses, soit c'est toi qui vont chasser. Soit tu es le chasseur, soit tu es le gibier. Camille Makoso le dit, l'affirme, persiste et signe. Nous ne sommes plus dans un débat. Nous sommes face à un défi. Réussir ou mourir. Le monde nous regarde. Nos ancêtres nous regardent. Je vais vous donner un message. Je vais vous donner un verset biblique. Oh my God. Mon téléphone aussi est déchargé. Mon téléphone est déchargé. Je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste ça. Prenez vos Bibles. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Plutôt, Hébreux chapitre 12, le verset 1. Je vais vous révéler ça. J'ai dit combien? Hébreux chapitre 12, le verset 1. C'est une révélation extrêmement dangereuse. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Je vous lis la parole. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Écoutez bien. La Bible dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit quelque chose, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais il a écrit cette lettre de façon anonyme aux Hébreux. Il dit, nous donc, puisque nous sommes environnés, entourés d'une grande multitude de témoins, mes amis, tes ancêtres sont morts, pauvres. Peut-être qu'aujourd'hui tu es orphelin, ton père est mort pauvre. Regarde dans ta famille, tout le monde meurt pauvre. Aujourd'hui tu n'as plus le choix. Tous ceux qui sont morts sont assis et comptent sur toi. Est-ce que tu seras capable en cette année 2022 de relever le défi du nom de ta famille? Je m'adresse aux Moudjahidines. Je m'adresse aux guerriers. Je m'adresse aux kamikazes ce soir. Je m'adresse aux personnes qui veulent s'élever pour marquer leur génération. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, troisième chose que tu dois refuser, ne compte sur personne. Parce que lorsque tu comptes sur quelqu'un, la personne est là. Et la personne sait que si elle t'aide, toi, tu vas réussir puisque elle, personne ne viendra t'aider à réussir. Dernier, troisième élément, ne t'attends à aucun miracle. Parce que c'est ça là qui met beaucoup de personnes dans des problèmes. Tous les jours, dans le téléphone des pasteurs. Alors mon pasteur, j'ai fait un rêve là, j'aimerais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Donc toi, tu as pété ta ville. Tu as assise matin, midi, soir. Tu fais rêve, on n'est qu'à t'expliquer tes rêves. Ces rêves là qui vont définir ton quotidien. Ces rêves là qui vont te donner à manger. Ces rêves là qui vont t'amener à avancer. Ces rêves là qui vont te donner un mari. Pourquoi les Africains sont aussi bêtes? Pourquoi les Africains sont aussi des malades mentaux? Pourquoi le bonheur est là, mais nous passons notre temps à des futilités? Le pasteur, là, je vais. On m'a dit qu'il est puissant. Hein. S'il a prié pour moi, là, ma vie va changer. Si Makoso a prié pour toi, que ta vie n'a pas changé, mon frère, plus personne ne peut prier pour toi. Je te dis. Je te dis. Je te dis ça. Makoso prie en direct. Dieu guérit des personnes. Les bras poussent. Des frères, des sous en temps en direct. Ça veut dire quoi? Tu vas venir là, dis quoi? Qui va prier pour toi? Et vous avez passé votre vie dans ça. On va tout de suite t'appeler. Allô, oui. Il y a un homme de Dieu qu'on a trouvé au Ghana. Allons le voir. Vous, t'es là-bas. Il y a un autre gars là. Il voit des. Il m'a donné mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Mais c'est tellement simple. On prend ton numéro. Il y a des applications. On les met dedans. On paye ça. Tout ce que où ton numéro a été affiché. Si c'est pour un compte. Si c'est pour une transaction. Si c'est pour chez un dentiste. Toutes les informations sur toi sortent. Ainsi que soient tes affinités. Donc, un prophète qui vient te révéler, remarquez la plupart de ces prophètes, ils ont toujours leur téléphone dans leurs mains. Personne ne touche leur téléphone. C'est dans ces marmailles-là que toi, tu es encore là. Pasteur n'est qu'à prier, ta vie va changer. Ah, pasteur fait descendre l'argent du ciel. Hein. Je ne savais pas. Pasteur fait descendre l'argent du ciel. Je ne savais pas. Dieu fait descendre l'argent du ciel. Je ne savais pas. Je croyais que la Bible disait que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Faut attendre miracle. Faut t'asseoir pour dire attends ma victoire. Oh Seigneur, ça fait combien d'années tu répètes ces mêmes imbécilités? L'imbécilité tu dans ta vie. En 2022, nous marquerons les générations. Ceux qui mettons Esaïe chapitre 60, le verset 1. Lève
sais pas. Pasteur, aidez-moi. Aidez-moi. Qui va t'aider? La Bible dit, je cours pour remporter le prix. Quand on a dit 1er janvier, la compétition a commencé. Toi et moi, nous sommes en compétition. Vous tous qui me suivez, vous êtes en compétition. Qui va marquer? Qui sera riche? Qui va prendre le milliard? Qui va impacter? Qui son nom va entrer dans l'histoire? C'est celui-là qui va se lever. Pas celui qui assis, qui attend. J'attends le miracle de Dieu. Combien d'années? Même lisez la Bible. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte pour rentrer à Canaan sont morts. Pourquoi? Ils attendaient que l'Éternel vienne tout faire. Dieu dit, allez tuer. Et il dit, non, on ne peut pas les tuer. Aïe. T'as vu avec le Seigneur, t'as vu ta vie, les gars. Ils sont trop puissants. Ah, tu les as vus? Non, Josué, non, papa, Moïse. C'est vrai qu'on a vu Dieu ouvrir la mer, mais non, bouge pas. Non, attention. Oh, non, non, va pas. Aïe. Ce sont les fils d'Agad. D'Anak, ils sont costauds, on ne peut pas. Face à eux, la mer est des sauterelles. Ils se voyaient comme des sauterelles. Ils sont morts comme des sauterelles. Deux personnes, Josué et Caleb, ont dit, by fire, by blood, nous irons. Quand tu te lèves, le ciel se lève. Claque les poules. Oh my God. Parlez de quoi ici? Mais parlez de quoi? Mais parlez de quoi? Mais parlez de quoi? Mais parlez de quoi? Où ils sont ici? Où ils sont? Où ils sont? La Bible déclare dans le livre de 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous restons ici, nous mangeons, si nous sortons dans la ville, la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous y mourrons également. Mon frère, il n'avait plus le choix. Il reste, il meurt. Ils attendent, ils meurent. Ils rentrent dans la ville, ils meurent. C'était la famine. Voici la résolution qu'ils prennent. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Opération réussie ou mourir. Il partit donc au crépuscule. Il partit au quoi? Matthieu! Il partit au quoi? Au crépuscule. Lisez à partir du verset. À partir du verset, on dit, il partit au crépuscule. Maintenant, à partir du verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, les bruits de chevaux et les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour nous attaquer. Ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule. Cela veut dire que lorsque les quatre lépreux ont pris la décision fondamentale de dire, nous refusons de mourir ici, nous allons aller à la conquête. Au même instant qu'ils ont pris la décision, au même instant qu'ils se sont levés, la Bible déclare que dans le cœur des adversaires, au même instant, ils ont entendu des bruits de chars. Il y a toute une armée de Dieu qui est prête à travailler avec toi. Il y a toute une armée de Dieu qui est prête à se mettre en marche avec toi. Mais parce que tu es resté assis, parce que tu attends le miracle, parce que tu attends des pasteurs, l'armée de Dieu te regarde. Mais quand tu décideras de te lever, l'armée de Dieu se lèvera. Que décides-tu? Que décides-tu? Nous sommes en 2022. Que décides-tu? Réussir ou mourir? L'argent ou rien? T'assois ou te lever? Tu n'as pas le choix. On t'a assez doloté. Tu es trop belle. Et une belle fille comme toi, tu vas réussir. Amen. Oh là là, ça me touche. Hein? Prophète, la révélation que tu dis là. J'ai senti la chose pendant que tu priais. Ah, papa, 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 papa. J'ai senti la présence de Dieu. Tant pis, durant 5 ans, c'est toi seul qui tombe à l'église. La présence de Dieu, là, tu l'as senti depuis longtemps. Tant pis, tes seins sont en train de tomber. Oh. Tant pis, tonton, tes testicules sont en train de froisser. Oh. Ennemi en train de venir. Oh. Insuffisant rénal en train de venir. Oh. Si vous ne vous levez pas, ne venez pas dit demain. J'ai écouté Makoso, je n'ai rien vu. La question, est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu es passé à l'action? En 2022, ne t'attends pas à un miracle. Parce que toi-même, tu es déjà un miracle. J'accélère. En 2022,
Il y a des choses que tu dois refuser. Partager la vidéo. Partager. Si je vois les cœurs, je vois les partages, j'accélère. Mathieu, j'accélère ou bien je dose? J'accélère ou bien je dose? Je vous pose la question. J'accélère ou bien je dose? Répondez-moi maintenant. Oh my God. Aïe, la balle est dans votre camp, répondez-moi. Répondez au général. J'accélère ou je dose? Montonnez-moi maintenant les partages. Tous ceux qui vont partager maintenant la vidéo, dans seulement 5 groupes, je ne parle pas beaucoup. Dans 5 groupes. 5 groupes seulement. Je ne parle pas beaucoup. Dans 5 groupes seulement. 5 groupes seulement. Je veux voir les partages dans seulement 5 groupes. Donnez-moi les partages. Donnez-moi les partages dans seulement 5 groupes. Il y a deux types de personnes. En 2022, mes frères, je ne suis plus en quête de vues. J'ai fini avec les vues. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs là. Mettez-moi les cœurs. Et partagez la vidéo. Cliquez la partager. À droite ici, vous verrez partager dans le groupe. Partagez. Partagez. J'accélère ou je dose. Mathieu, relève un peu. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. J'accélère ou je dose. Hier, vous frappez en 2022. Vous n'avez encore rien vu. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la page du général, vous n'avez pas le choix. Allons en profondeur. En 2022, tu dois refuser des amitiés et des relations nuisibles qui ne croient pas en toi. Le problème de ta vie, c'est que tu marches avec des personnes qui ne t'apportent rien, mais qui sont comme des poids sur toi. On les appelle les mauvais passagers. Tu sais, le problème de ta vie, je vais t'expliquer c'est quoi? C'est que tu es sentimentaliste. Le problème de ta vie, c'est que tu passes toute ta vie à penser à ce que vont penser les autres. Le problème de ta vie, c'est que tu prends des décisions en fonction de ce que vont penser les autres. Le problème de ta vie, c'est que tu prends des actions, tu poses des actions en fonction de ce que vont penser les autres. Le problème de ta vie, c'est que tu penses tout le temps aux autres. Les autres, qu'est-ce que les gens vont dire? Les camps dira-t-on? Tu t'habilles en fonction des autres. Tu parles en fonction des autres. Tu prends des décisions en fonction des autres. Tu investis en fonction des autres. Tellement que tu veux plaire aux autres. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que les autres fonctionnent en fonction de toi? Est-ce que les autres prennent leurs décisions en fonction de toi? Est-ce que les autres prennent les... Je peux le dire, pose les actions en fonction de toi. Quand la réponse, elle est non. Arrivé à un moment donné, tu ne dois que penser qu'à toi. Le problème de ta vie, c'est que tu es tellement sentimentaliste que tu as l'impression que si tu t'occupes de certaines personnes, ces personnes t'en voudront. Et le sentiment de rancune contre toi, c'est ce qui t'empêchera de réussir. Écoute-moi s'il te plaît. La vie est un choix. Réussir ou mourir. Au stade où tu es arrivé de ta vie, tes seuls véritables amis sont tes enfants. Si tu n'as pas encore des enfants, ce sont tes descendants. Les fils de tes fils, les enfants de tes enfants, c'est eux ta véritable famille. Ton père n'est pas ta véritable famille. Ta mère n'est pas ta véritable famille. Dis-moi, général, révèle, je révèle. Et je te donne la preuve. Bible en main. Je te donne la preuve. Bible en main. Dis-moi, général, révèle, je révèle. Tu n'as pas encore bien dit. Dis-moi, général, révèle, je révèle. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit, voici la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le débat, il est clos. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Mais... Ton père n'est pas ton véritable père. Ta mère n'est pas ta véritable mère. La preuve, la date de naissance que tu as est fausse. Tu es sorti du ventre de ta mère. Peut-être le 14 septembre, peut-être le 14 juillet, peut-être le 14 juin. C'est faux. Tu avais déjà été créé avant même que ta maman ne te connaisse. Ton père, avant qu'il ait l'intention de draguer ta mère, la Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Voici la parole de l'Éternel au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Tu dois à qui? Ton propre père n'est plus ta priorité. Ta mère n'est plus ta priorité. Ceux qui sont ta priorité, c'est ta descendance. N'as-tu pas vu des pères qui mangent leurs enfants?
N'as-tu pas vu les mecs qui livrent leur enfant à la sorcellerie? Donc si ton père peut te trahir, si ta mère peut te vendre, c'est quoi tu appelles ami? C'est quoi tu appelles mon ami? C'est quoi? C'est quoi tu appelles mon ami? La Bible déclare Jésus est mon ami. Toi, tu es encore dans ce monde. Avec tes histoires, c'est ma copine. On a grandi ensemble. On a tout fait ensemble. Mais tu marches avec une personne et ta vie n'évolue pas. Adama, prends conscience. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher en 2022. Mais comme tu es bête et je te connais bête, tu ne vas pas prendre la décision. Les gens n'ont pas compris. Mon général, je te joignais sur un WhatsApp là. Le WhatsApp ne fonctionne plus. Vous n'avez jamais compris. Le WhatsApp qui ne fonctionnait plus là, c'est dans ce WhatsApp que les Big Bleus étaient passés. C'est un WhatsApp qui était même finalement, qui était même un peu possédé. C'est dans ce WhatsApp là que les anciennes copines donnaient ça à d'autres filles pour dire allons piéger le général. Dieu lui-même s'est levé un matin, il a cassé la puce. Dieu s'est levé un matin, il a fermé le contact. Il y a des personnes qui ne peuvent plus être en contact, qui ne doivent plus être en contact avec moi en 2022. Jamais! Jamais! Il y a des chances avec qui tu dois, mais on te parle, ça rentre, ça sort. Mais pourquoi tu continues dans la bêtise? Pourquoi vous êtes aussi bêtes? Tu prends ton putain de téléphone. Ton putain de téléphone, tu le prends. Ton putain de téléphone. Et tu changes ton WhatsApp. Oui, tu le changes. Yanni, tu le changes. Ça va te faire du bien. Le WhatsApp que tous tes amis du quartier ont là. Le WhatsApp que toutes tes copines ont là. Oui. Ouais, parce que tu dis, ma chérie, on ne sort pas aujourd'hui là. Ma chérie, un an. Ton con là, tu vas le fermer. Il n'était pas là. Hein? Ton con là, tu vas fermer ton con. On te baisse en désordre. Des gars qui te baissent sur la base de promesses. Toi, tu es encore eux. J'ai dit, il y a des amitiés, il y a des relations, il y a des choses, des personnes. En 2022, tu ne... Mais parler de quoi là? Tu as marché avec cette personne en 2021. Tu n'as rien eu. Change. Quand tu as un entraîneur ou tu as des joueurs qui ne te vendent pas, qui ne t'amènent pas à la victoire, tu fais quoi? Tu les vends. Quand tu es un club, tu as des joueurs qui ne t'amènent pas, tu les vends. Et c'est vous qui êtes toujours dans les sentiers. Et puis c'est vous qui êtes affirmé. Hein? Marco, c'est dit la vérité. Hein? C'est que le général dit, c'est la vérité. Hein? Mais tu auras le lendemain, tu auras ton même téléphone. Après demain, tu auras toujours ton même numéro. Chérie, si tu ne peux pas changer ton numéro, parce que c'est ton numéro d'affaires, WhatsApp et téléphone a créé une application, une touche là. On appelle ça opération bloqueto. Opération bloqueto. Chérie Coco, tu les bloques et tu supprimes le numéro. 3 mois, 4 mois plus tard. Ah mais j'arrive plus à te joindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pris une retraite. J'ai pris une année sabbatique. Ah mais tu as pris une année sabbatique comment? J'ai pris une décision, voilà. Je n'aurai plus de relations sexuelles, voilà, parce que je dois garder mon corps pur pour mon mari. Et si tu penses que tu m'aimes et si tu penses que tu veux aller loin avec moi, la solution est simple. Tu viens voir ma famille, tu me dotes, tu m'épouses, on va sur de nouvelles bases et on avance, voilà. Si tu ne peux pas le faire, dis-moi alors concrètement, qu'est-ce que tu fais pour moi? Parce que je te donne du plaisir, je te donne de l'attention, ok? Je te donne la bénédiction parce que je suis une femme bénie, ok, alright. Et donc, je ne peux pas distribuer ma grâce à n'importe qui. Tu comprends? Donc, les mauvais passagers dans ma vie, ils dégagent. Mais tu avais dit que tu étais amoureuse de moi. Hein, je préfère m'aimer moi-même. Voilà. Je suis devenu égocentrique. Je m'aime moi-même. Je ne pense qu'à moi désormais. Voilà, je me concentre sur moi désormais. Parce que j'ai tout à donner de l'amour aux autres. C'est moi qui donne. C'est moi qui donne, c'est moi qui donne, take care, c'est moi qui donne, mais je ne reçois rien en retour. Maintenant là, tout amour que je donnais là, je vais me donner. L'argent que je donnais là, je vais me donner ça moi-même. Soit vous êtes bête, soit vous prenez conscience. Prends ton téléphone. J'ai dit parle! Parle! Idiote, idiot là! Il y a moi son visage là-bas. Tu es tellement bête, tu es bête, tu restes bête.
Tu vas tuer de bête en bête. Prends ton téléphone là-bas. Commence à les bloquer. Oh, bloque-les. Des gars qui t'ont baisé. Tu les appelles, ils ne décrochent plus leur téléphone. Et c'est toi, tu t'envoies un message. Bébé, tu es où? Mon Dieu. Tu es maudite, hein? Tu es maudite, hein? Tes parents doivent te tuer en sorcellerie. Mais on est en 2022. Dieu te donne une nouvelle chance. Bloque-le. Non, mais il m'avait fait des promesses. Il ment. Il ment. Il savait qu'il fallait te manipuler pour te mapper. Il a fini de prendre ce qu'il voulait. Il a fini de te goûter. C'est comme une dame qui appelle dans ton truc quand tu as mon chic. Ah, j'ai un gars fructueux là. Un gars fructueux là. Bon, maintenant là, il ne m'écrit plus. Il ne me répond plus. Et puis, quand tu as mon chic aussi, elle tourne à gauche, elle tourne à droite. Fallait lui poser la question quand tu as mon chic. Il t'a mougou. Si la fille dit oui, avant de te mougou, il a réalisé quelque chose pour toi. Quand la fille dit non, raccroche le téléphone. Et puis, tu ajoutes Esa bête, Esa maudite, Esa clochade. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite. On sait même où on va. Disons-nous la vérité. Bloquez-les. Bloquez-les. Elle m'a même dit non. Mon général, pardonne à telle personne. Il a dit 2022 là, ils resteront bloqués jusqu'à la fin de ma vie. Tu ne moi là, tu ne m'arranges pas. Faut pas me déranger. C'est vous qui êtes sentimentaliste. Et puis on vous tue. On vous empoisonne. Tu vas marcher avec des gens en qui tu ne croyais pas en toi. Le jour où ton étoile va commencer à briller, c'est les mêmes là qui vont t'empoisonner. C'est là où tu as dit, c'est vrai. Il a dit, ferme ta gueule, bloque-les. Si ce sont tes cousines, bloque-les. Quelqu'un qui ne croit pas en toi, quelqu'un qui te dénigre, quelqu'un qui te manque de respect, bloque-le. On n'est pas obligé d'être ensemble. Quand tu montes, tu étais seul dans le ventre de ta mère là. Qui est avec toi pour t'aider? Qui est avec toi? Qui a pris la décision que c'est toi qui dois sortir le 9e mois? Seul tu l'as pris la décision. Alors qui peut te manipuler cette terre? Personne! Bloque-les! Vous parlez de quoi? Cinquième chose à refuser. Refuse de dépenser ton argent à aider bêtement des gens. Oh my God! Oh. Ah! Mathieu, le message est trop fort. Le message est trop fort. Le message est trop fort. Mais je ne vois pas mon niveau. C'est pour ça que j'ai créé le groupe sur Telegram. Tous ceux qui sont déjà dans le groupe Telegram, signalez-vous s'il vous plaît. Tous ceux qui sont déjà dans le groupe Telegram, veuillez vous signaler. C'est là-bas que j'amène les messages. Oh. Ah. Regarde quand même le niveau de ce que je suis en train de dire. Le monde entier devait l'écouter. Mais les abrutis aiment les bêtises, les futilités, les cassements de papeau, les choses inutiles. N'importe quoi. Écoute-moi bien. Il y a des aides. Parce que dans la famille, on sait que tu es un con. Tout le monde sait que tu es un con. C'est toi seul qui ne savais pas, mais je t'informe. En fait, tout le monde s'est passé le message que tu es un con. Et que toi, il suffit de t'amener un message pour dire maman est malade, tonton est malade, Kofi est malade, papi toi est malade, que toi, bêtement, tu rends des services. Il y a des services que tu ne dois plus rendre. Et donc, si, il faut bien m'écouter. Voilà. Il faut bien m'écouter. Il y a des services que tu ne dois plus rendre. Non, mais c'est la cousine, c'est la petite soeur de ma maman. Tu ne la connais pas. Elle a eu sa chance. Elle est un con, tu es un con. Si son con n'est pas doux, que son con n'est pas fructueux, c'est pas de ta faute si son con est maudit. Il vous parle, il dit, il vous parle bête en bête. Tu veux, tu acceptes, tu veux, tu refuses. Oh, c'est quel pasteur qui est vulgaire, dégage ici. Va chercher les pasteurs qui sont sains. Ils ont fini de prier pour toi, ta vie a évolué. Jamais. Donc, shut your big mouth et écoute-moi. Il y a des personnes que tu dois dire non. Tes dépenses inutiles. On dit rentrée scolaire. Tu scolarises tes enfants. Tu scolarises les enfants de ton petit frère, de ta petite soeur, de ta cousine, de ton oncle. Toi, tu es bête, mais tu es maudit. Si je ne fais pas là, ils vont dire que je suis méchant. Mais ils n'ont qu'à le dire. Si ce qu'on dit, moi, là, on dit que je suis un maudit. On dit que Makoso, c'est un sorcier. On dit que Makoso couche avec sa fille. On dit que Makoso, il soit l'autre beauté. On dit que Makoso, il a tué sa femme. Ça me glisse sur le corps.
Parce que ce n'est pas ce qu'on dit de moi qui définit ma personne. C'est ce que Dieu dit de moi et c'est ce que moi je dis de moi. Raison pour laquelle, lorsqu'on rencontre Jean-Baptiste, on lui posa la question. Les gens disent que tu es Dieu, mais toi-même, que dis-tu de toi? Parce que c'est ce que tu diras qu'on va rapporter à Pilate. Dieu ne marche pas en fonction de ce que les gens disent. Non! Si c'est ça là, il y a longtemps, lui, il a tué Jésus, puisqu'on a dit que Jésus est le roi des démons. Belzébul, lui-même. Vous vivez en comment? Vous prenez de l'âge, vous vieillissez, la vie est compliquée, mais vous êtes encore dans des bêtises, dans des futilités. Prenez conscience, hein? Hey, Yévi! Cinquième élément, refuse d'aider bêtement en 2022. Pense uniquement qu'à toi. C'est important. Il faut penser à toi. Je demande à tous ceux qui me suivent, veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. Veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. Veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. Mathieu, faut mettre le lien. Copie le lien de Telegram et puis tu mets le lien. Il va mettre le lien de Telegram là, pendant le direct. Il va mettre le lien et puis épingler. Mets le lien et puis tu épingles le lien. Je vous parle. Il y a des dépenses. Allô, oui mon gars, c'est comment tu as toujours une amie. Sa vie là, c'est toujours t'expliquer des problèmes. Prendre crédit, elle ne paye pas. Mais allô, hé ma copine, vraiment, je suis malade. Elle ment. Elle va prendre l'argent là pour aller entretenir un gigolo. C'est-à-dire, toi tu es devenu la caisse noire de tout le monde. 2022, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Parce que tu vas le regretter le 31 décembre. Regarde comment ton 31 était difficile. Tout l'argent que tu as dépensé là, si tu avais économisé, si tu avais ouvert un compte que tu appelles le compte des agents inutiles, l'argent que tu mets dans iPhone 13, tu as iPhone 12, mais c'est toi forcément que tu veux payer iPhone 13 pour allô, 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 pour allô, allô. Mais tu es normal? Non, mon général, ma copine, c'est ma copine. Comme tous ses camarades ont iPhone 13 là, elle m'a demandé de payer iPhone 13 pour elle quoi. Mais si moi je te dis de donner une offrande, on va donner sauver aux orphelins, tu discutes, tu murmures. Regardez ce petit élément là. Ça, ce petit élément là. Voici le pouvoir des juifs pour 2022. Voici le pouvoir des juifs. Voici l'élément que tous les juifs vont utiliser pour prendre le contrôle de 2022. Ils vont commencer à l'utiliser exactement dans le mois de février. Et ils entreront avec ça dans le mois de mars. Voici l'élément que les juifs vont utiliser. Ça, 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 ça. J'en ai reçu exactement 2000 venant d'Israël. J'ai payé avec mon argent. 2000. Parce que je me dis, j'ai des fils et des filles qui m'ont fait confiance. Qui m'ont dit, mon général, nous on préfère toi t'écouter. Mais quand on t'écoute, on a envie de réussir. Tu donnes les vrais conseils et les vrais enseignements de la réussite. Aucun pasteur ne parle comme toi, tu parles sur les réseaux sociaux. Je préfère t'écouter. Je suis au Canada, je suis aux États-Unis, je suis en Angleterre. Je préfère écouter Marcoso parce que lui au moins, il me dit la vérité. Si tu n'as pas ça, écoute-moi bien. Si tu n'as pas ça, il y a quelque chose qui va te manquer. Tu me diras, mais est-ce que tous les milliardaires du monde l'ont? Si elle te répond oui, tu vas discuter avec moi. Mais je vais te rappeler une seule chose. Qui contrôle les finances dans le monde? Les juifs. Le nucléaire, les juifs. La bourse, les juifs. L'armement, les juifs. Tous les présidents ont toujours son contact avec le grand rabbin de Jérusalem. En fonction de leur alliance. Ça là, tous ceux qui sont dans le domaine des affaires, qui ont une alliance avec Israël, vont l'utiliser. Ce petit élément, ça s'appelle le transfert des richesses contrôle. C'est un élément qui te permet de contrôler l'année. On ne le donne pas à n'importe qui. J'ai sauvé un juif en Côte d'Ivoire. Mon nom est écrit dans le livre des justes, des personnes qui ont sauvé la vie des juifs. J'ai prévu la somme de 12 millions pour aider les gens. Il y a des personnes qui m'amènent des messages. Mon général, aide-moi mon frère. Si mon message ne peut pas t'aider, que tu penses que j'ai pas l'avenir de moi, mes enfants, pour courir à gauche, à droite, pour aider tout le monde. Pardon, enlève-moi dans ton programme. Faut même plus me suivre. Sors de mes groupes. Si tu attends de moi que je prenne mon argent pour venir te donner. Mais ma chérie, tu as menti, hein? Tu as menti. La seule chose que je peux te donner, c'est mon expérience. Si tu n'es pas prêt à l'écouter, dégage! Il y a des personnes
Quand Dieu me dit aide une telle personne, je l'aide. Mais je n'ai aucune obligation parce que moi, quand on me clash, quand on m'insulte, qui m'aide? Qui prend le téléphone pour mettre? Les mêmes qui font vidéo qui me clashent. Ils ont Facebook, non? Vous avez Facebook, non? Combien de personnes ont mis le téléphone pour répondre à ceux qui me clashent? Toi, tu m'as appelé au minimum détaillé. Et elle a besoin, non, mais je veux que tu mettes dans la discrétion. Faut pas m'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, moi, mon agent, là, tu as besoin de ça. Hein? Ah, d'accord, j'ai compris. Ceux qui ne peuvent pas t'afficher là, faut aller mougouer, ils vont te donner là. Je préfère que tu ailles te prostituer que de passer ta vie à rester baisé par un gars qui n'a rien et qui va tout te mettre en paix. N'importe quoi. Voici l'élément. Ça s'appelle le contrôle. Au niveau du Gabon, il y a 100 personnes qui vont l'obtenir. Au niveau du Cameroun, il y a 100. Côte d'Ivoire, 100. Bénin, 100. Togo, 100. Burkina, 100. Guinée, 100. Il y a 10 pays africains qui vont recevoir 100, 100, 100, 100, 100. Au niveau des États-Unis, nous allons prendre le soin d'en amener exactement 250. Au niveau de l'Europe, il y aura 250. Au niveau de la France, il y en aura 500 parce que la France est mon bastion. Pour avoir cet élément-là, à l'intérieur, là, il y a un parfum. Tu vois comment je l'enlève là? Il y a un parfum. Que tu l'utilises exactement pendant 12 jours. Pendant 12 jours, tu mets quelques gouttes dans du lait. Tu renverses le lait dans de l'eau, tu te laves. Les anges qui contrôlent l'année, la faveur, c'est-à-dire par qui tu te présentes, c'est toi, les gens veulent travailler avec toi. Ce sont les secrets que les juifs utilisent, que moi j'utilise. Et en 2021, j'ai fait 900 millions dans le domaine des affaires de l'immobilier. Donc je ne suis pas ton ami. Pour avoir cet élément, tu vas bâtir une alliance avec les veuves et les orphelins. Ça veut dire quoi? Tu vas faire une offrande, tu vas donner un sacrifice aux veuves et aux orphelins pour dire, Seigneur, voici le sacrifice que je fais. Ce n'est pas pour moi, tu le feras pour eux. Et pour la voix, c'est simple. Je vous donne le WhatsApp parce que je pouvais être très organisé et puis donner différents WhatsApp. Vous voyez, c'est le lien qui est marqué là. Là. Ils ont copié le lien du Telegram. Vous m'amenez simplement un message. Et j'ai donné le numéro de téléphone. Vous savez, j'ai 3 WhatsApp. J'en ai même 4. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. En 2022, on va être très organisé. Parce que j'aime les gens intelligents. Nous sommes en 2022. Si vous avez le contact de la secrétaire de... Même en tous les numéros des secrétariats, s'il te plaît. Peut-être que... Et je dis, quelqu'un m'a amené un message, mon général. L'offrande à donner pour les veuves et les orphelins, c'est de 100 euros. Je l'ai dit à partir de 100 euros. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas provoquer la bénédiction de Dieu. Dès qu'on dit 100 euros, et donc 100 euros. Et tu es méchant. Pourtant, tu aurais pu faire un sacrifice pour dire, moi, je vais prendre le soin de donner 200 euros. Moi, je vais donner 400 euros. Moi, je vais donner 1000 euros. C'est ça mon alliance pour 2022. Je veux le semer dans la vie des veuves et des orphelins. Nous allons donner une partie aux juifs, les moines qui prient, parce qu'actuellement, il n'y a pas de visite. Nous allons donner une partie à des pasteurs qui sont dans le besoin et une partie aux pauvres. Mais c'est les veuves et les orphelins qui sont la priorité. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Je veux réussir en 2022. Je veux voir tout le monde écrire, je veux réussir en 2022. Vous savez, j'ai mal au cœur quand je donne des secrets et qu'il y a des abrutis dont j'ai plus d'argent que eux qui viennent écrire et qui viennent critiquer ce que je dis. Je le répète, le jour où tu seras plus riche que moi, critique-moi et je vais t'écouter. Mais si tu n'as rien, si tu n'es pas capable d'offrir une Range Rover à ton enfant, ferme ta gueule, écoute-moi s'il te plaît. Je ne veux pas être brutal. Mais j'aimerais dire aux maudits, aux gens qui resteront maudits, qui sont les derniers de la société, mais qui veulent persévérer dans la bêtise, écoutez ceux qui ont réussi. Quand je me rends en Israël, je ne suis pas ton ami. Israël, c'est chez moi. J'organise des pèlerinages en Israël. Si c'est la Covid, c'est minimum 300 à 350 personnes par an qui vont avec moi en Israël. Qui ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. J'ai interdit même aux pèlerins de la Côte d'Ivoire. Souvent, c'est à la tour, c'est un ou deux. Ils viennent des États-Unis, du Canada, de la Belgique, d'un peu partout. Je suis une légende vivante. Il n'y a que les Africains malheureux qui ne veulent pas respecter le talent que Dieu a mis en général, Kamima Koso. Ici, là, je ne suis pas là pour vous plaire. À tous ceux qui m'écoutent, vous allez préparer votre agent avant le 15. Vous allez payer votre alliance avec les veuves et les orphelins. Tu vas payer ça.
tu vas donner 120$ minimum. Tu vas donner 100€ minimum. Et pour ceux qui sont en Afrique, c'est 40 000 francs. Pourquoi 40 000 francs? 40 000 francs minimum. Voici l'offrande que vous faites. Et nous, on va vous expédier ça. Tu vas l'utiliser pendant 12 jours. Tu veux te marier en 2022? Tu veux le travail? Tu vas écrire tout ce que tu veux en 2022. Tu vas mettre ça dans le lait. Tu vas prendre la bouteille de lait, tu vas renverser dans de l'eau tiède. Tu vas faire ça 12 fois. 12 jours. Dans le mois de février, les 12 derniers jours du mois de février, avant d'entrer dans le mois de mars, parce que l'année en Israël commence en mars. Si, parce que vous allez écouter, mais ce message-là, plus de 100 000 personnes vont l'écouter. Et vous devez m'amener un message sur mon WhatsApp, qui est le 00225 01 50 50 50 22. Mathieu, mets le numéro s'il te plaît. Je répète le numéro de téléphone. Ce n'est pas un WhatsApp comme les autres. J'ai 4 WhatsApp. J'ai un WhatsApp de France qui est réservé à toutes les personnes qui ont acheté leur kit et qui payent leur dîme. Nous sommes dans le mois de janvier. Tu vas payer ta dîme. Le deuxième WhatsApp, c'est le WhatsApp que tout le monde connaît. Le 00225 07 09 50 93 59. C'est le WhatsApp officiel du général Kany Makosso. Des gens m'écrivent là-bas, on les répond, etc., etc. Maintenant, il y a un WhatsApp. Il est spécial pour les prières. Pour la première fois, tu écoutes le général. Tu n'as pas reçu ta prière de miracle. Tu m'écris sur ce WhatsApp. C'est le 00225. Prends-le. 79 85 85. Là-bas, là, c'est prière de miracle. Maintenant, il y a un WhatsApp. Lui, là. Mon général, comment avoir le kit? Le kit, là, je veux l'avoir. Mon général, l'élément contrôle que tu as là pour posséder 2022, pour que 2022 soit vraiment une année de réussite, là, moi, je veux l'avoir. Ce WhatsApp, là, c'est le 00225 01 40 40 plutôt 00225. Pardonnez, reprenez le numéro. Faut pas que je me trompe. Parce que n'amenez pas, c'est un monsieur qui a ses plaintes. C'est le 00225 01 50 50 52. Je répète encore. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire sur ce WhatsApp. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Tu vas recevoir 4 choses. La première des choses que tu vas recevoir, tu vas recevoir le contrôle. La deuxième des choses que tu vas recevoir un document qui sont les 300 déclarations prophétiques pour prendre le contrôle de l'année. C'est-à-dire, je déclare. Comment déclarer contre les œuvres de la mort? Comment déclarer contre les œuvres de la sorcellerie? Comment déclarer pour que l'argent vienne? Il y a 300 déclarations prophétiques qui sont venues que je ne donnerai à personne, que je ne réciterai avec personne. C'est ceux-là qui vont bâtir leur alliance. C'est eux qui vont recevoir. Troisième des choses que tu vas recevoir, à partir d'aujourd'hui, de demain plutôt, je m'engage dans un 3 jours de jeûne. Je finis le jeûne le mercredi. Je vais faire une prière pendant 1 heure. La prière sur les déblocages financiers. La prière sur le mariage. La prière sur la protection. La prière sur la gloire. La prière sur la faveur. Il y aura 10 chapitres de prière qui vont être résumés en une prière de 1 heure. L'audio là, on va l'envoyer seulement aux personnes qui auront bâti leur alliance. Et ensuite, à la fin du mois, tu vas recevoir un livre. Le livre sera les 12 codes secrets pour régner, posséder et dominer 2022. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez faire seulement une offrande aux veuves et aux orphelins. Donc, ce n'est pas à moi vous donner. Vous donnez aux veuves et aux orphelins. Moi, je vous donne 4 choses. Je vous donne 4 choses. La prière, les déclarations, le livre, et le plus puissant élément pour contrôler 2022, le transfert des richesses contrôle. Il faut être maudit, il faut être un malade. Même si tu es musulman, même si tu es chrétien, même si tu appartiens à une église, celui qui te donne la révélation, c'est l'enseignement, c'est son ministère là. Tu vas faire la semence pour qu'on te remette ces éléments. Un seul WhatsApp, 00225 01 50 50 50 22. Et qui m'a dit, mon général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Vous êtes en Europe, c'est à partir de 100€. Vous êtes aux États-Unis, c'est à partir de 120$. Vous êtes en Afrique, c'est 40 000 francs CFA. Voici le sacrifice que tu vas faire pour dire, je donne ça aux veuves et aux orphelins pour que je sois millionnaire en 2022. Et qui m'a, s'il te plaît, mon général,
je vais réussir en 2022. La sixième des choses que tu dois refuser en 2022, c'est la perte de temps. Le temps dans les buzz, le temps dans les clashs. Parce que ce que tu entends peut affecter ton cœur. Il y a des personnes qui me disent, oui, ici, Ekalam, donc ils détestent Aya Robert. La haine que tu as dans ton cœur contre elle, c'est déjà un péché devant Dieu. T'as dit, Emmanuel Keita ne te connaît pas. Elle ne te connaîtra jamais. Toi, tu es dans virtuel. Et puis, tu prends le virtuel pour faire de ça une réalité dans ta vie. Et tu aides des gens. Mais tu es malade. Vous passez votre temps à écouter ces clashs, ces buzz-là. Ça vous rapporte quoi? Souvent, c'est des personnes qui sont dans l'abomination de l'homosexualité. Que vous allez écouter chaque parole qu'ils disent, quand vous les écoutez, est une malédiction pour vos vies. Quand vous mettez un cœur, c'est une malédiction pour vos vies. Parce que si Dieu a horreur d'une chose, c'est Sodome et Gomorre. Et ces personnes ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour détruire vos vies. Et ces personnes vont jouer Makoso, ce faux pasteur. Et puis d'ailleurs, dit, c'est vrai, c'est un faux pasteur. Sodome et Gomorre, moi, me juge. Et toi, tu dis Alléluia, Amen. Que Dieu te maudisse pour les restants de ta vie. La septième des choses que tu dois éviter, c'est les dépenses stupides. Parce que tu as l'impression que tu es en compétition avec quelqu'un. Tu as l'impression que tu es en train de te battre avec quelqu'un. Donc, quand quelqu'un a iPhone 13, ah, ma copine elle a iPhone 13, il faut que moi aussi. Non, il faut que moi aussi. Et tu as vu sa nouvelle tenue là, elle a porté Zara. Moi, il t'a porté, je dois porter. Tu luttes avec qui? S'il te plaît. Tu luttes avec qui? Moi, j'aimerais comprendre. Tu es en compétition là. C'est avec qui? Qui te connaît? Quand tu vas mourir, tout ce que tu as là, tu partiras avec ça? Non. Pense à l'avenir de tes enfants. Les dépenses inutiles, les dépenses de sortie. Je vais en boîte, je vais payer du champagne. Mathieu, c'est quoi ce comportement-là? Tu es en compétition avec qui? Qui te connaît? Tu luttes là, c'est pour avoir quoi? Yeux des gens? Mais les gens, famille, ne te regardent même pas. À cause de vue. Maman, prenons conscience, mes frères. Prenons conscience. Ah, hey, Seigneur. Huitième des choses que tu dois refuser en 2022. Refuse qu'on t'exploite. Refuse. Mathieu, ça fait combien de temps que tu travailles pour moi? Officiellement, ça fait près de 3 ans si je me trompe. Faut te calmer. Avant, tu faisais des choses pour moi. Mais où tu as tout abandonné pour dire je suis avec toi maintenant, général. Là. Ça fait 3 ans. Je l'ai regardé, je l'ai dit d'abord, je dois augmenter ton salaire. Oui ou non? J'ai dit j'augmente ton salaire. Puis tu ne peux pas être Makoso. Et puis ta famille va douter de toi. J'augmente ton salaire. Numéro 2, en janvier, je t'offre une voiture. Pourquoi je le fais? Parce que il a un talent. Si lui n'est pas là, ce qu'on est en train de faire là, ça ne marche plus. C'est lui qui met les numéros. C'est lui qui fait les montages. C'est lui qui fait mes sports. Donc, il fait partie intégrante de ma renommée. Quand Dieu me bénit, il faut que l'huile qui coule sur ma tête là, ça coule aussi sur sa barbe. Dis Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu as un talent. Les gens t'exploitent. Eux, ils gagnent. Toi, tu gagnes rien. Et puis, tu es dans l'affaire de... L'Éternel dit, quand il donne à elle la main droite, il ne faut pas regarder la main gauche. Le Seigneur a dit, voilà, ne t'attends rien des gens. En tout cas, moi, j'ai reçu gratuitement. Je donne gratuitement. Tu es allé à l'école. Tu n'as pas reçu gratuitement. Même Dieu, là, qu'on croit en lui, là, c'est un effort qu'on fait. Ce n'est pas gratuit. C'est un effort. Quoi, quelqu'un que tu ne vois pas? Mon frère, c'est un effort, hein. C'est un effort. Donc, il doit te donner quelque chose. Il dit, quiconque croira sera sauvé. Donc, Dieu, maintenant, on croit en lui, là. Il nous doit quelque chose. Et puis, toi, tu crois aux gens. Tu aides les gens. Et puis, tu n'as rien. Refuse qu'en 2021, on t'exploite. Refuse qu'en 2022, plutôt, on abuse de toi. Qu'un homme saute avec toi. Qu'une femme t'utilise et qu'elle ne te donne rien. Refuse. Je préfère une prostituée à une femme qu'un imbécile qui a tous les moyens baisse et ne lui donne pas l'argent de poche. Je préfère la prostituée. Je préfère la prostituée. Parce qu'elle, au moins, là, elle sait ce qu'elle veut. Tu me baisses,
voici le tarif. Elle au moins là, elle a de la valeur par rapport à toi. Mais toi, tu es plus bête qu'une prostituée. Mais toi, il te prend d'abord en pute, il te bête et puis il te donne rien. Donc toi, tu es maudite. Je vous invite pas à aller aux prostituées. Hein. Mais il faut avoir la mentalité d'une prostituée. Mon frère, notre relation, je gagne quoi dedans? Tu m'as aïe. Donc, mais on est dans une relation, je t'aime, tu m'aimes, on a des projets d'avenir, projets là. Je veux voir ça maintenant. Ce n'est qu'à commencer maintenant. Sinon, pardon, il ne faut pas me déranger. Mes parents m'ont élevé, ils m'ont nourri, mes fesses sont sorties, mes seins sont bien sortis. C'est parce que quelqu'un a nourri ça. Toi, tu as venu manger ça comme ça, tu es malade, tu sors d'où? N'importe quoi. 9e des choses que tu dois refuser. Refuse qu'on te dise c'est impossible. En 2022, refuse ce mot-là. Non, je vais. Oh, ça, c'est pas possible, hein. Ça, c'est impossible. Refuse. Quelle habitude d'être là. Rien n'est impossible à celui qui croit. Maître, massa, braque à moi, qui me bosse. Refuse ça. Les mots, non, tu ne peux pas. Ça, là, c'est impossible. Ça, là, c'est pas possible. Tu es aux États-Unis. Faut laisser ça. Mon frère, en 2022, refuse qu'on te dise ce n'est pas possible. Tout est possible. Qui aurait cru qu'un homme allait aller sur la lune? Qui aurait cru? Qui aurait cru un jour qu'on allait avoir téléphone et puis on allait avoir iPhone? Qui aurait cru? Qu'un jour, chacun d'entre nous allait être propriétaire de sa télévision? Mathieu, qui aurait cru ça? Que chacun allait être propriétaire de sa télévision. Voici ma télévision ici. Makoso TV. Alléluia. Amen. Praise the Lord. L'OK Brakaba. Amen. Les gars. On va mettre. Et puis on lance les sports. C'est ça? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Un jour, des gens m'ont interdit de passer sur la télévision nationale de mon pays en me disant que c'est fini pour Makoso. Les pasteurs se moquaient de moi. On va voir comment il va faire. Quand Dieu m'a dit, on t'a fermé une porte, mais je vais ouvrir un portail sur le monde. Et il m'a donné les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je parle. 24 heures, 100 000 personnes ont vu la vidéo. Je m'adresse à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous qui voulez réussir, faites-moi confiance. Le général de guerre a porté sa tenue et nous montons en guerre. Refuse qu'on te dise c'est impossible. La 10e des choses, je me mets à genoux devant Dieu. Moi, mettez-moi pardon. 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 Refuse de voler Dieu. Je te dis, hein, si tu t'amuses là, faut refuser de voler Dieu. Quand tu reçois 100 000, enlève les 10 000 de Dieu. C'est ce qu'on appelle la dîme. Vous ne faites pas, c'est-à-dire, vous êtes des voleurs. Et quand on va dire ça, faste, tu as maudit. Tu as maudit. Oui, tu as maudit. Quand tu enlèves la dîme, quand tu manges la dîme, on te paye à 1 500 €. 150 euros est pour Dieu. Toi, tu prends ça, tu manges. Demain, tu as des maladies bêtes. Ton enfant devient bête. Ton enfant meurt. Ton enfant est malade. Alors, pasteur, moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mon enfant a tout des malades. Tu as payé la dîme. Non, comme j'ai eu. Ah, mais d'accord, mais c'est la conséquence. La dîme, c'est la mort. Quand tu manges la dîme, la mort doit te suivre. Quelque chose doit mourir autour de toi. Dieu doit tuer quelque chose autour de toi. Parce que la dîme, c'est la mort. Vous êtes dans des bêtises. Vous êtes dans l'enfantillage. Vous prenez Dieu pour votre ami. Vous vous amusez. Mais est-ce que vous vous amusez avec fétiche? Quand on dit fétiche, on dit ça c'est un fétiche. Faut mettre ça chez toi là. Faut toujours mettre l'eau matin. Mais à 4h du matin, tu mets l'eau. Tu peux oublier? Non. Parce que tu as peur que le fétiche te tue. Mais comme Dieu, on ne le voit pas. Toi, tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Tu baises, tu mens, tu payes. Tu payes pas ta dîme. On te dit fais une alliance avec les vœux. Tu ne le fais pas. Et tu es là. Et tu veux que Dieu te bénisse. Mais il va se baser sur quoi? Quelle est ton alliance sur laquelle Dieu va se baser dans le but de te bénir? Il n'y a pas d'alliance. La dîme est une alliance. Une offrande est une alliance. C'est pas possible. Il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre en 2022. Il me reste seulement 20 minutes. Et puis j'arrête sur le direct. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Il y a des erreurs en 2022 tu ne dois pas commettre. Dis-moi, général, révèle. Mon petit, amène-moi la machine, s'il te plaît. Moi, vous savez, avant, là, quand je commence un direct,
quand je ne vois pas 3000 personnes connectées, j'ai dit, oh Mathieu, je suis pas inspiré. Mais aujourd'hui, soyez même 500, je suis inspiré. Oh, Mathieu, soyez même 500, je suis inspiré. Soyez 200, je serai inspiré. Je préfère 200 futurs milliardaires que 5000 abrutis qui ne marqueront pas les générations. Écoutez-moi s'il vous plaît, il y a des erreurs en 2022 que vous ne devez pas commettre. Numéro 1, la perte de temps. Je m'adresse à vous mes fils et mes filles. Le temps est un pouvoir et le temps est aussi la mort. Quand vous vous connectez sur les réseaux sociaux, je vais vous donner une révélation que vous n'avez pas. Dis mon général révèle. Dis encore mon général révèle. Non, je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Mathieu, je t'ai pas entendu. Étienne, je t'ai pas entendu. Celui qui dit mon général révèle, je révèle. Si j'entends mon général révèle, je révèle. Si quelqu'un dit mon général révèle, je révèle. Vous allez passer votre temps à écouter des abrutis, des personnes qui viendront vous parler des imbécilités. Et puis, vous allez dire, tu as fait ma soirée. Tu as gagné quoi? Tu as perdu le temps. Quelqu'un m'a amené un message. Oh, général, il paraît que le mot là dit, végétaux. Il dit, qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Qu'est-ce que j'ai à foutre de la vie des gens? Quel temps j'ai à perdre pour ces imbécilités? Je suis en compétition. J'ai des opérateurs immobiliers. J'ai des Italiens qui arrivent cette année. J'ai des Turcs qui arrivent cette année. Quel temps j'ai à perdre avec des imbécilités. Je ne suis pas un vidéomane. Je suis un père. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous perdez le temps, parce que qu'est-ce qui se passe? Le plus grand instrument du diable aujourd'hui pour vous perdre, c'est Facebook. Vous savez comment? Il va vous permettre de pouvoir écouter Makoso. Tu reçois un message. Et puis, bim, quelqu'un d'autre lance un direct. Son direct, quand tu regardes le titre, ce n'est pas pour te montrer comment gagner de l'argent. Venez, Yves Dero est une sorcière. Tu vas l'écouter. Une heure. Quand l'autre finit, bim, l'autre lance aussi une directe. Réponse à l'autre. Tu as payé encore une heure. Ça fait combien? 3 heures. Makoso, c'est minimum 2 heures. Makoso, lui, c'est 2 heures. Puis, il y a au moins 30 minutes pour manger la galerie. Et puis, il y a au moins 1 heure pour enseigner. Et puis, 30 minutes de prière. Tu as déjà perdu 2 heures. Maintenant, quand tu as fini ça, tu as dit que l'autre aussi a donné une réponse. Mais tu as dit ça. Mais l'affaire est partie d'où même? Tu vas retourner dans la vidéo de l'autre. 3 heures. Par jour, vous dépensez entre 3 et 4 heures de temps à écouter des abrutis, des analphabètes, des imbéciles et des maudits, des homosexuels sur les réseaux sociaux, des fils du diable qui sont en train de polluer vos vies et vous rendre bêtes. Ces mêmes 4 heures, si vous les appliquez à apprendre l'anglais, en 3 mois, vous comprenez l'anglais. Les mêmes 4 heures que vous prenez pour écouter les imbéciles, des gens qui ont échoué de leur vie, là, qui n'ont aucune entreprise, là, les mêmes 4 heures que vous prenez pour les écouter, là. Si tu penses à écouter, tu vas apprendre l'anglais. Tu mets ton casque, tu apprends l'anglais, tu apprends l'anglais, tu apprends l'anglais, tu apprends l'anglais, tu évolues. Mais non, vous aimez les bêtises. Le temps, c'est la mort. Parce que chaque jour qui s'élève et qui part, c'est une partie de ta vie que tu viens de perdre. Quand tu passes 2 heures à écouter quelqu'un, c'est une partie de ta vie que tu viens de perdre. Et si ce que tu as écouté, si ce que tu as mis ton cœur ne te rapporte rien, fais-moi confiance, tu as perdu quelque chose. Le temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et je disais toujours, tous un jour nous allons mourir. Mais à quoi tu consacres ton temps? À réaliser ta destinée ou à passer ta vie dans les faux débats? Une vieille blanche qui a raté son existence un jour s'est permis d'insulter les noirs dans sa maison. Oh, vous les nègres, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais elle était vieille. Elle est rassasiée de ses jours. Des filles inconscientes passent leur vie à clasher Makoso. Ils passent 1 heure, 2 heures à parler de moi. Pourtant, les mêmes 2 heures, il aurait pu l'utiliser pour commencer à entreprendre une affaire. Pour commencer à réfléchir sur un business, pour commencer à appeler des gens pour avoir du travail, pour commencer à faire des CV pour aller les déposer. Mais non, il y a des femmes en Europe qui vont te dire, mais j'ai pas encore mes papiers pour travailler. Mais est-ce que tu as besoin de papiers pour commencer à faire le massage? Tu vas simplement sur Amazon, tu tapes lit de massage, tu regardes dans ta chambre, tu prends une chambre, tu l'aménages, ça peut être la chambre de l'enfant,
Mais tu mets le lit de l'enfant à côté et tu aménages un espace. Même au salon, tu peux aménager un espace pour le massage. Et tu mets tes annonces sur les réseaux sociaux. Tu mets tes annonces dans le coin d'annonce. Dans ça là, 2, 3, 4, 5, tu vas acheter une petite voiture. En occasion, avec 1200, 1300 euros, aujourd'hui tu peux acheter une voiture en Europe. Tu mets le truc de massage là-dedans. Tu appelles une de tes copines aussi qui ne fait rien. Ma chérie, mettons ensemble. Ah bon, je ne sais pas masser. Pour apprendre à masser, c'est simple. Allons sur YouTube. Tapez massage crânien. Tapez massage de corps. Tapez les huiles de massage. Vous les commandez, ça vient. Vous avez votre petite mallette. Vous arrivez chez des personnes, mettez vos gants, vous portez votre tenue comme des infirmières. Vous massez les personnes. Quand la personne n'est pas décédée, tu dis non. Dans ça là, tu peux rencontrer quelqu'un. Tu vas tellement bien le masser. Sa pine va bien se lever. Il va te dire, c'est toi, il veut marier. Mais tu es enfermé chez toi à la maison, toujours à prier et à écouter les vidéos des blogueurs, les blogueurs africains, la paix des temps, les gens les plus inutiles de la terre. C'est eux, on les appelle les blogueurs africains, les gens les plus inutiles de la société. Ils ne servent à rien. Faisons le bilan. Quel combat ils ont pu mener sur le plan du développement? Rien. Et c'est dans ça qu'on va rester. C'est dans ça qu'on va rester. Prenez conscience. Réveillez-vous. Le monde est en train de partir. Le monde est en train d'évoluer. Nous, on est en retard. Et le diable nous a donné désormais Facebook pour nous mettre encore plus en retard. Surtout TikTok. Tous les abrutis sont là-bas. TikTok, clic. 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 Pendant que tu ris, ta grande bœuf en train de rire, là, d'autres sont en train de se faire de l'argent. 2022, c'est l'année de l'argent. Faut perdre le temps. Faut perdre le temps. Je préfère perdre 2 heures à écouter message de Marcoso que de perdre 2 heures à écouter des imbéciles notoires. N'importe quoi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Chaque temps que tu consacres à des faux débats et des bêtises, c'est une partie de ta vie qui est sacrifiée à la pauvreté. C'est une deuxième des choses que tu dois éviter. Ça, je te le répète. Hein. Les erreurs à ne pas commettre. La deuxième erreur, c'est de t'intéresser à la vie des autres. Ils ont dit quoi des temps? Elle a dit quoi des temps? Ça t'intéresse pas? Ça va changer quoi dans ton quotidien? J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo, m'a amené la vidéo. Et puis il y a des gens qui ont ce don là. Quand on me parle de moi, ils amènent la main de la vidéo. Ah, madame le ministre, pourquoi? En fait, tu as compris que Marcoso n'est pas n'importe qui dans le pays. En fait, c'est la leçon que tu dois retenir. Je ne suis pas n'importe qui. Vous allez m'amener devant un juge parce que j'ai parlé des gibiers. Vous êtes normal là? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle? On prend n'importe qui peut aller sur la base de bœuf. Allez, on se lève. C'est sérieux là? Même quand tu es ministre de la République, parle d'une affaire concernant le général, la personne parle avec diplomatie. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens de ce pays. On existe et vous n'existez pas. Vous avez me parler de quoi? Mettez-moi devant un juge. Le général de Marcoso rentre chez toi. Tu es trop bon. Parlez des vies de Marcoso et Marcoso change. Parlez de femmes que Marcoso aide. L'homme parle d'une femme qui est dans les rues. Hein, qui dort dans les rues. Ah non, non. Une femme burkinabé avec 3 enfants. Allez l'aider. C'est de ça qu'on a besoin. N'importe quoi. Enfin, vous avez découvert quelque chose. Voilà. Ah non, quand c'est Marcoso, personne ne réagit. Ah bon, vous voulez qu'il fasse quoi? Quand le régime est dans des problèmes, quand le régime est attaqué, vous êtes où? C'est Marcoso qui prend des risques. Donc le jour même je commets une erreur, on m'appellera au téléphone pour dire, fais attention, c'est tout. Dans le cas contraire, celui qui m'affronte, qui qu'il soit dans le pays, je l'affronte. Parce que je n'ai rien à perdre. Tu m'affrontes, je t'affronte. Et moi là, je peux amener des électeurs au président Alassane Ouattara. Parce que je suis le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. J'ai 10 000 pasteurs. Il dit non, Marcoso t'a traité un être humain de gibier. Si vous mettez gens dans ce débat, vous est-ce que vous pouvez tenir? Quelqu'un est allé s'asseoir sur la télévision, des abrutis sont allés s'asseoir sur la télévision, des gens sans avenir, dès qu'ils vont réussir, vont déterrer le corps de ma femme. Vous vous êtes plaint? Vous vous êtes senti choqué? Personne ne s'est senti choqué. Quand c'est Marcoso, c'est normal. Le jour où Marcoso fait une plaisanterie, alors c'est pas normal. 2022, essayez. On est engagé. Hein? Ah, essayez. Essayez. Vous allez laisser votre vie dedans. Je le dis. Essayez, vous allez laisser votre vie dedans. Aïe. Devant juge, personne ne peut démontrer juridiquement parlant que Marcoso a commis un délit. Personne. Parce que c'est la loi.
Une confession n'est pas une atteinte. Tu parles de quel gibier? Laissons les arguments juridiques. Allons dans le débat. Je répète, restez loin de la vie des autres. Ton voisin à Chiot, ton voisin à Pétéo, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont dans un immeuble. Ils ont dit quoi, je suis le voisin? Des femmes, des gens qui aiment les critiques, critiquer les gens, critiquer la vie des autres, critiquer la... C'est ça, il peut faire 3 heures. Allô, ma chérie, il y a un ferrage. Alors, tu viens, doucement. Tu es où? Viens à la maison. Et puis, 2 heures à critiquer. Et quand vous finissez de critiquer, vous gagnez quoi? Rien. Troisième des choses que tu dois éviter, c'est de rester inactif en attendant le miracle de Dieu. Frère, plusieurs personnes sont devenues juste des spectateurs de la vie en acceptant que le bonheur et les témoignages, c'est pour les autres. Vous savez, dans une finale, c'est la deuxième mi-temps qui est l'élément le plus déterminant. Quand une équipe arrête d'attaquer, on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand une équipe arrête d'attaquer, elle prend un but. Quand vous arrêtez d'être actif, quand vous arrêtez de lutter, tu as commencé un projet d'affaires, ça n'a pas marché, crée une autre affaire. Ça ne marche pas, crée une autre affaire. Je vais vous enseigner bientôt ce qu'on appelle le mystère des tentes. Comment créer plusieurs tentes, c'est-à-dire plusieurs affaires. Et quand ici ne va pas, comment prendre l'autre affaire pour combler? C'est des mystères qui sont dans la Bible. La Bible dit Jacob se promenait de tente en tente. Quatrième élément que vous devez éviter, c'est de vivre dans le désordre sexuel. Il y a des gens qui aiment les femmes. Aujourd'hui, il y a un site là, comment on appelle ça Abidjan ici? Mathieu, il y a un site d'annonce là. Il paraît que c'est là-bas maintenant, les gens sont chercher femmes. Donnez-moi le nom. On est entre nous, donnez-moi le nom. On est entre nous là. Comment on appelle ça? Loquento. Écrivez-moi le nom s'il vous plaît. On dit on appelle ça Loquento. Aujourd'hui là, tous les maudits c'est là-bas, ils sont commandés des femmes. Écrivez-moi le nom s'il vous plaît. Allô, oui ma chérie. Oui. Un coup c'est combien? C'est 10 000 hein. Vous laissez à 5 000. Non, hein. Moi, c'est 10 000 dès. Et puis, c'est quand il vient chez moi, hein. Et s'il te déplace, 20 000. Là, il a commandé Yango. Hein. D'accord. Ok. Viens. Voilà. Loquento. C'est ça. Loquento. L-O-C-A-N-T-O. Voilà. Donne-lui Loquento. Ok. Et tu vas voir un con maudit, un con rempli de profanation. Parce que lorsqu'un homme jouit dans une femme, la malédiction de ses ancêtres, il les met en elle. Son odeur de mort, il les met en elle. Et quand toi tu viens, tu la pénètres. Tous les hommes maudits qui sont rentrés en elle, tu hérites automatiquement de leur malédiction. Raison pour laquelle la Bible dit, ne touchez pas à une prostituée, parce qu'une prostituée, c'est la mort. Une pute est une mort vivante. Elle transmet la mort. Et aujourd'hui, il y a des hommes, c'est leur spécialité. J'aurai des bises. Ils passent tout le temps. Ils passent toutes les vies. À coucher, à gauche, à coucher, à droite. Ils sont là. Ils sont devenus spécialistes. D'autres n'ont plus copine. Quand sa pine s'élève, allô, ouais, gros cuit, ça va, man? La dernière fois, là, tu m'as pas bien sucé. Hein? Moi, je n'ai pas aimé, hein. Quand tu as menthe là-bas, même là-bas. Avant venir en menthe là. Mais là, il faut au moins 15 minutes, tu me suces bien là-bas, quoi. Sodomie, là, mais c'est. Moi, je vais essayer sodomie, hein. Il n'y a jamais fait ça. Mon ami dit c'est doux, hein. 40 000, il n'y a pas de problème. Mais, tu n'as pas plan à 3 là-bas. Si tu as une petite copine, on gérait ça à 3. Ah! Eh, du combien? Dans 50 millions, vous de. Venez! Allô, champion! Ouais, il y a deux gros qui viennent, il y a le mougou! Ouais! Deux gros! Eh, Loquento! Eh, Loquento! En 2022, tu vas te prendre une maladie. Sida. Tu vas te prendre une insuffisance rénale.
un ennemi qui va détruire ta vie, ton sang là. Et quand elle va finir, tu as fini de jouer en elle. Parce que vous ne savez pas que les prostituées font des médicaments. Quand vous finissez de jouer, pourquoi elle prend toujours un sac pour rentrer dans les toilettes? Elle va recueillir ton sperme. Elle met ça dans un petit sachet. Et elle va vendre ça à un féticheur. Toute ton étoile, toute ta chance là, ils prennent ça, ils téléchargent. De façon qu'on télécharge, ils téléchargent ça. Et un matin, tu entends quelque chose au poteau. On te prend quelque chose au poteau. En 2022. Si tu penses que tu ne peux pas te marier, vis une vie de chasteté. Le sexe est un pouvoir. Le sexe est un pouvoir. En 2022, fais très attention. Tu as le choix. Aujourd'hui, je n'ai même pas pu entrer dans mon message. Je suis toujours dans l'introduction. Je n'ai même pas prêché aujourd'hui. Je suis dans l'introduction. Je n'ai pas parlé aujourd'hui. Je suis obligé mardi à 20h de venir terminer le message avant mercredi. Je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas parlé de comment procéder l'année. Je n'ai même pas parlé de quelles sont les nouvelles résolutions à prendre. Je n'ai même pas parlé de la puissance et le mystère de l'alliance. Je n'ai pas parlé. Mais j'aimerais vous dire une chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mathieu, dis-moi, on a combien de partages? Dis-moi, on est à combien de partages? Les amis, si on n'atteint pas les 10 000 partages, c'est que nous avons échoué. Combien? Nous sommes à 7 100 partages. Si on n'atteint pas les 10 000, chaque direct du général, si vous, ma communauté, vous, mes commandants, vous ne me donnez pas 10 000, c'est que j'ai échoué. J'ai échoué. Je vous parle. Il y a des erreurs à éviter en 2022. Mes amis, Camille Makosso, actuellement, je suis veuf. Hein. Donc, je n'ai pas d'engagement. Hein. Je suis célibataire. Devine combien de femmes je peux aligner. Même ici, là, si elle dit, ah, j'ai besoin d'une petite qui va m'accompagner pour une glace. Je dis, elles seront 100. 100! Allez sur mon Instagram. Je dis, message sur message. Depuis qu'ils ont appris que j'ai lapé un gibier en 2019, donc il peut laper. Donc il peut goûter. Goûte-moi, mon général, goûte-moi. Je vous parle! Mais c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Dans ça, là, demain, quelqu'un va te filmer. Dans ça là, demain, tu seras au cœur d'un scandale. Dans ça là, demain, un bâtard va naître quelque part. Faites attention. Nous sommes en 2022. Il y a des erreurs que vous ne devez plus commettre. J'ai dit bien, il y a des erreurs. Si tu aimes les putes et les gigolos, vous serez les derniers. Femme, retiens une seule chose. 2022 là, c'est le mariage ou rien. Pas de mariage, pas de mougouli. Mougou, c'est doux. Vous allez me dire, hé, mon général, moi je ne peux pas tenir. Mon frère, si on t'avait jeté en prison, tu allais Mougou qui là-bas? Fais-moi confiance. L'argent que tu dépenses dans les Mougoulis, là, mon frère, ça peut te payer une maison d'ici la fin de l'année. Je t'assure, ça peut te payer un terrain. Parce que pour Mougou, une femme, il faut aller à l'hôtel. Donc tu vas prendre au moins une chambre 10 000. La petite va venir, tu vas payer au moins 20 000. Puis tu vas payer son temps, mais vous donnez quelque chose. Tu as 30 000. Vous allez manger un peu. 10 000. 40 000. Ça, c'est quand tu fais un seul coup dans la semaine. Or, dans la semaine, dans le mois, il y a 4 semaines. Donc, 40 000 multiplié par 4, on est à combien? On est à 160 000 que tu dépenses. Ça n'a rien à voir avec quand la petite est malade. Ça n'a rien à voir avec de compléter son argent de loyer. 40 000 multiplié par 4, 160 000. Multiplié par 10 mois, ça fait 1 600 000. Tu as complété le, ça fait 2 millions. 2 millions là, tu vas vers Bingéville, ou bien tu plutôt vers Abobo, à Nissankwa, ou bien vers Abobo, Ndoté, tu peux avoir terrain 2 millions. Mais toi, tu payes ça dans fesses des femmes. Et en plus, terrain se casse. Et en plus, encore ta femme là, elle mougue d'autres gars. Tu n'as pas payé iPhone 13 pour elle, mais elle a iPhone 13. Qui paye ça pour elle? Soyons intelligents. En 2022 là, il y a des erreurs qu'on ne doit plus commettre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec mon âme. Je vous parle avec mes tripes. Si vous voulez réussir en 2022, alors vous devez apprendre ce qu'on appelle la discipline. Je ne vous ai pas donné de code. Je vous ai parlé aujourd'hui des choses que vous devez refuser et des choses que vous devez éviter. Des erreurs. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît.
Si vous partagez la vidéo, je vais prier. Si vous partagez la vidéo, je vais prier pour quelqu'un. J'ai envie de déclarer des choses sur la vie de quelqu'un. J'ai envie de parler sur la vie de quelqu'un. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je vous montre comment partager rapidement. Je vous montre comment partager. Je veux voir des gens partager la vidéo. Je veux voir des gens partager la vidéo. Donnez-moi les 10 000 partages, s'il vous plaît. Voici le direct. Mettez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste de groupes qui va s'afficher. Tous ceux qui ont partagé, repartagez la vidéo. Je répète, tous ceux qui ont partagé, cliquez ici, partagez. Mettez les cœurs ici. Là, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste de groupes. Chacun clique partager. Repartagez-moi la vidéo. Si je vois les 10 000 partages, je vous annonce des résolutions que vous devez prendre. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Mes amis, tous ceux qui me suivent pour la première fois, qui ne sont pas encore abonnés à ma page, veuillez vous abonner. Tous ceux qui me suivent pour la première fois, qui ne m'ont pas encore dit, mon général, envoyez-moi ma prière, écrivez-moi sur mon WhatsApp, 00225 07 48 79 85 85, vous dites, mon général, je veux ma prière de délivrance. 2022, là, c'est l'argent ou rien. J'ai envie de déclarer quelque chose. Je rappelle à tous ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, là, cliquez ici. Tous ceux qui ne sont pas encore dans le groupe du général, dans le groupe Telegram, installez l'application Telegram et puis regardez ici. On a épinglé, regardez là, nous avons épinglé le lien. Donc quand vous allez cliquer, ça vous ramène directement dans le groupe. Et voici le groupe. Nous sommes exactement à 9600 personnes. À 400 personnes qui entrent, on atteint les 10 000. Je veux qu'on atteigne les 10 000 aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, c'est une application qu'on appelle Telegram. La voici ici. Voici l'application qui est là. Voici l'application qui est là. Ça s'appelle Telegram. Vous la téléchargez sur votre téléphone. Et vous prenez le soin de cliquer sur le lien que je vous ai présenté. C'est comme WhatsApp. Mais là-bas, vous pouvez recevoir des vidéos de plus d'une heure. Là-bas, je peux même faire des directs avec vous sans que personne ne voie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez s'il vous plaît vous connecter. Vous plutôt entrez dans le lien. Entrez s'il vous plaît dans le groupe. Je vais aller vérifier encore. Mathieu, nous sommes à combien? Nous sommes à combien de partages? Je veux voir les 10 000 partages. S'il vous plaît, donnez-les-moi. J'aimerais aussi que vous puissiez partager la vidéo dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes. Si vous êtes dans d'autres groupes Telegram, partagez-les dans tous les groupes Telegram. Parce que ce message va aider des gens. Ce message va enrichir des gens. J'aimerais vous le dire, je vous l'ai dit et je vous le redis. Nous n'allons plus être dans des messages de prière, dans des messages de coaching, et puis après on saute, on est dans des... Non. Nous sommes en 2022. Je préfère avoir 1000 personnes qui me suivent et qui sont vraies, qui savent ce qu'elles veulent, que d'avoir 10 000 personnes qui me suivent, mais qui sont des abrutis. Je préfère me concentrer sur vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je préfère me concentrer sur vous. Quelles sont les nouvelles résolutions que vous prenez pour 2022? Comment posséder 2022? Les 12 déclarations dangereuses pour éviter que 2022 soit une année d'échec. L'alliance qui te livre 2022. Voici les 3 chapitres que je vais aborder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce mardi à partir de 20h30. À partir de 20h30, vous êtes vous préparés, vous êtes connectés. Soit 20h30, je le lance quand nous sommes prêts. Soit 21h, GMT, je le lance quand nous sommes prêts. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais
vous rappeler une seule chose. La vie est un choix. C'est réussir ou c'est mourir. Le transfert de richesse contrôle est le seul élément pour lequel je me suis battu en décembre pour l'avoir pour vous. Et je sais qu'il n'y a aucune personne qui a suivi mes recommandations jusqu'à ce jour et qui a été déçue. Cet élément a 5 priorités. Premier élément, attirer vers vous la richesse. Deuxième élément, la protection contre le monde de la sorcellerie et la mort prématurée. Troisième élément, la stabilité de la vie conjugale et la provocation du mariage. Quatrième élément qui provoque en vous la destruction de tout ce qui est lié ancestral. Ce sont des éléments pour lesquels les Juifs ont jeûné pendant exactement 12 jours, ont parlé et l'expédié dans le monde. Moi, pour l'Afrique francophone, pour tous les Africains francophones, j'ai pu obtenir que 2000. Il n'y a aucun autre pasteur qui pourra l'avoir. J'ai pu obtenir que 2000. Ces 2000 seront remis à 2000 personnes déterminées. Tous ceux qui ont déjà obtenu le kit, battez-vous auprès des secrétaires pour dire « Je préfère payer maintenant et tu m'enregistres. » Parce que personne, je vous le dis, on commence à l'utiliser à partir du mois de février. Donc ne dis pas « Comme c'est en février qu'on utilise, je vais payer en février. » Tu as menti. Ton alliance là, c'est maintenant. En deux mots, j'aurais pu vous dire « Payez votre alliance, on va l'utiliser pour les vœux et les orphelins. Vous n'aurez rien que la bénédiction de l'Éternel. » Mais je vais s'aimer aussi dans votre vie. Je vais apporter des choses dans vos vies que personne n'a apporté. 4 éléments. Le transfert des richesses contrôle, les 300 déclarations, la prière de 1 heure et le livre de comment posséder et dominer en 2022. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 premières personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp, spécial pour le kit, qui est le 00225. 01 50 50 50 22. Vous m'écrivez en me disant, mon général, je veux bâtir mon alliance pour 2022. Je veux bâtir mon alliance pour 2022. Le mardi, je vais bien vous enseigner sur le fondement d'une alliance. Ce qu'une alliance rapporte, ce qu'une alliance provoque, comment ton alliance te protège. Quand tu vas faire ta semence, le ciel est obligé de s'ouvrir pour dire, toi, Dieu te remet les clés de 2022. Pourquoi? Parce que tu as soutenu une veuve et des orphelins. Je suis veuf. Donc je sais quand quelqu'un t'apporte un soutien pour te dire, je t'apporte mon soutien. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée quand quelqu'un te dit, mon général, je te donne ça pour tes enfants parce que maman n'est plus là. Vous n'avez pas idée. Mais je ne le demande pas pour moi. Moi, mon offrande que je vais faire, c'est de 12 millions de francs CFA. Et vous allez voir dans ce mois, des personnes que nous avons changé leur vie. Ça sera retransmis. Des dons que nous avons faits. Ça, c'est pour moi. Nous serons en Centrafrique, nous avons fait des dons. Nous serons au Cameroun, nous avons fait des dons. Nous serons au Burkina, nous avons fait des dons. Je veux compter sur vous. Je veux que parmi vous qui me suivez, vous qui m'avez fait confiance, vous puissiez me dire, mon général, nous sommes avec toi. 2000 personnes, pas plus et pas moins. La somme au niveau de la France est de 100 euros. Mais vous ajoutez les frais de l'expédition. Parce que la secrétaire, en vous amenant, c'est par la poste qu'elle va vous expédier. Donc vous ajoutez les frais, quoi, ça doit être 10 ou 20 euros, vous ajoutez ça dessus. Vous parlez avec la secrétaire. Ceux qui sont en France, vous pouvez appeler la secrétaire directement au 00337 75 0750. Tous ceux qui sont au niveau de la France, ceux qui sont aussi au niveau de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, vous gérez, c'est la France qui vous gère. Donc vous contactez la secrétaire Mathieu, mets-moi tous les numéros qui passent s'il te plaît. Vous contactez la secrétaire Louise Dreux. Tous ceux qui sont en France, en Guadeloupe, en Martinique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, vous contactez la secrétaire de la France, c'est Louise Dreux. Tous ceux qui sont en Allemagne, en Belgique, en Hollande et au Luxembourg, vous contactez la sœur Gina en Belgique. Son numéro est le 0032 485 35 15 24. Ça, c'est elle que vous prenez le soin de contacter. Pour ceux qui sont au niveau de l'Italie, de la Russie, de la Grèce, de la Suède, je crois ces pays de la Scandinavie, vous contactez la secrétaire de l'Italie. Mais pour plus de facilité, pour avoir les numéros des différents secrétaires ou des pays qui sont proches de vous,
Il faut simplement, vous voulez contrôler 2022, vous voulez régner en 2022. Écrivez-moi simplement sur mon WhatsApp, 00225. Je rappelle, 00225, 01, 50, 50, 50, 22. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous m'écrivez, vous dites mon général, je veux bâtir mon alliance, je vous annonce qu'avant vendredi, l'éternel Dieu, du fait que vous avez l'intention d'aider les veuves et les orphelins, vous donnera les moyens pour cela. Que l'éternel vous bénisse, qu'il vous accorde sa faveur, sa grâce, que cette année 2022 soit pour vous une année de gloire. En janvier, on ne fait que des déclarations, que des prières pour posséder les clés. En janvier, on ne fait rien d'autre que ça. Et je vais vous donner des secrets qui vous permettront de faire de cette année l'année de vos finances, l'année de votre gloire, l'année de votre élévation. Parce que Dieu a validé cette année comme étant l'année du 3 fois double, l'année des finances. Que Dieu vous bénisse. Et je termine en félicitant le pasteur Mohamed Sambogo pour ce grand programme qu'il a organisé au niveau du stade de l'université. J'ai suivi le programme. C'est une bénédiction incroyable pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Écrivez-vous tous, s'il vous plaît, que Dieu bénisse le pasteur Mohamed Sambogo. Dans la vie chrétienne, personne n'est en compétition. Dieu a donné le talent à chacun. Mais ce qu'il produit pour la Côte d'Ivoire, c'est un programme gigantesque qu'il fait en fin d'année pour le pays. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse ses fidèles, tout son comité. Parce que cela est une base qui permet à la nation de pouvoir avoir la vie et la prospérité. De tels programmes, l'État de Côte d'Ivoire même doit apporter sa sémence. Parce que c'est des programmes qui apportent la faveur et la bénédiction de l'Éternel sur notre nation. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est le kit revelé par les rabbins juifs. Rabbins juifs. C'est le kit le plus puissant au monde pour la protection contre les œuvres de la sorcellerie, contre les blocages, la stérilité, le célibat et la pauvreté. Ce kit est composé de 4 redoutables éléments qui propulsera votre vie et vos finances au-delà de votre espérance. L'huile de la domination et du transfert de richesse. Le parfum de myrrhe et de la faveur. Parfum d'ester et de la stabilité. L'activateur et la protection. 4 éléments d'une valeur de 500 €. Sponsorisé par le général Makoso. Pour les 1000 personnes déterminées à faire de l'année 2021 leur année de gloire. Où que vous soyez dans le monde, passez dès maintenant votre commande et recevez le kit spécial de domination, richesse et mariage. Et recevez-le en moins de 7 jours. Prix sponsorisé, sans frais d'expédition, 150 €, soit 170 $ ou 80 000 francs CFA. Contact ceux de la Belgique, l'Allemagne, la Hollande et autres pays d'Europe. La sœur Gina, plus 32 485 35 15 24. Ceux de la France, sœur Louise Treux, plus 33 7 75 07 50. L'Italie, sœur Patricia, plus 39 348 78 49 731. Les États-Unis et le Canada, la sœur Edo Adzale Ama, 001 832 781 94 96. Ceux de la Suisse, plus 41 79 194 43 84. Le Gabon, sœur Lucie, plus 241 07 77 88 77. Le Togo, sœur Princesse, 00 228 93 76 47 45. Le Burkina Faso, sœur Charline, plus 00 226 70 06 04 50. Maroc et Tunisie, plus 212 659 49 59 68. Mali, la sœur Marguerite, plus 233 78 45 18 29. Le Cameroun, frère Emmanuel, 00 237 697 492 704 ou 650 871 679. Guinée-Conakry, sœur Monique, 00 224 62 05 56 738. La RDC et le Congo, frère Kitsuku Ngoma Deogel, plus 242 069 107 372. Le Sénégal, sœur Hélène, 00 221 78 131 23 09. Le Bénin, sœur Félicité, 00 229 69 62 11 11. Et enfin, ceux de la Côte d'Ivoire, la sœur Sylvie, 00 225 05 05 04 68 40. Battez-vous par tous les moyens pour obtenir votre kit 2021 et cette année sera la vôtre.